J'ai une scène exprès pour Warframe. Il faut que je m'en fasse une autre, là, une scène, mais exprès pour. Je pense que c'est une scène exprès, mais pour. Darkest Dungeon. Je cherchais le nom, j'étais perdu. Aujourd'hui, Crane y jouait. Il l'a eu avant tout le monde. Deuxième, Darkest Dungeon 2. Ouais. Ouais, il jouait à ça. Est-ce que je me bats avec ma canne à bonbons? Avec la Reaper, le Reaper Eater. C'était quoi déjà les autres trucs? Je peux m'inviter. Ah, ok, Ouais. Tout énervée! Je sais pas pourquoi en fait. Ben, ça doit être peut-être parce que j'ai pris ma médication un peu tard un matin, mais j'ai des shakes, fait que j'arrête pas de shaker en fait. C'est. Voilà. Vous voyez peut-être pas grand-chose, mais moi ça shake beaucoup de mon côté. Bon, ben. C'est des choses qui arrivent à la médication, des fois. L'excitation, parce que tu joues avec moi, ça. Ah oui, c'est ça! Non, mais j'ai. C'est un des effets secondaires, ça, que ça. Ça... Voilà, que je shake. Il shake. Ça Shake, risque shake, de pas shake. taper très fort en fait avec la Reaper Hitter. Fait que je vais peut-être prendre une autre arme. Qu'est-ce que je peux prendre? Pic-pic! Ah ouais, je me bats avec le pic-pic. Allez, on est des fous. On se bat avec le pic-pic. Donc je te suis. Me souviens pas si ça existe une sortie. Genre, t'as pas le droit d'utiliser tes skills. Eh mon Dieu, ça serait pénible. Tout ce que t'as pour te sauver, c'est tes skills dans le jeu, si t'en as pas. Ouais. Ah ben c'est le player skill qui va te sauver. Voilà. Habitué. Moi, je trouverais pas de changement. Dit-il. Parce que monsieur, il utilise jamais ses skills en fait. Non, pas avec ce perso-là. Ah, c'était Mais supposé avec être avec. Inaros, c'est vrai que. Je sais même pas c'est Pas quoi, qu'est-ce qu'on fait? grand-chose. Juste une survie. Ah d'accord. Je suis visible! Tu vois à quel point je suis débile. Non, non mais je pensais que c'était. Je pensais que c'était uniquement. Au Millie? cac. Ouais, c'est ça, mais là c'est pas au Ah, cac. ça, c'est la dernière. La dernière? Ah, oh, la dernière Ouais. Emily. Ah, oh, okay. La dernière Emily, on est. As-tu besoin de mana? Ça va, Ok, voilà. Voilà, t'as plus à t'en faire avec ta mana. Voilà, monsieur est voilà, à fond. À fond les ballons! En plus, il me donne full. Oups. Full de résistance. J'ai dit oups, mais c'est pas vraiment un problème. Voilà. détruisez tout. Oui! C'est tout feuillis, bizarre. Pourquoi est-ce que c'est ouvert? La lumière est étrange ou c'est moi? C'est gris. Gris? Non. Ben, c'est gris. C'est tout le coloré. C'est tout coloré? Moi je trouve que c'est C'est tout gris. coloré. C'est gris et vert. C'est tout beau. C'est un beau gris. Non, je sais pas. D'un Non, beau moi je vois pas gris. le gris. Gris, oui, c'est tout coloré, c'est gris. Oui, c'est ça, parce que lui, il aime le gris. Il aime quand c'est. Ah, j'ai l'impression que c'est parce qu'on était dans l'espèce de fog zone de. Ah, mais j'étais pas dedans, moi. Ça doit C'est être la pour ça fog. C'est aussi. la zone de Oberon, je pense. Je sais pas. Je sais pas. This is a mystery. Y'a quelqu'un qui est crevé ou Ah non, ok. Y'a Non, quelqu'un qui est venu l'arrivée. pas de problème. Oh, y'a une autre Y'a une autre Trinity. J'ai vu une autre Trinity Prime. Trinity Prime? Ah, y'a, il s'est parlé. Voilà. Avec les Guigui et ses gros canons. Ouais, moi tu sais tout ce que je fais. Moi je mets des gros canons. On se promène, mais en fait, on pourrait juste rester sur place puis attendre qu'ils arrivent. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, je te vois faire des trucs bizarres d'avance-recul, ça me fait rire. Je t'ai vu pendant un instant bugger dans un mur.
Ah non, mais c'est parce que j'étais de reculon. Oh, directement les deux gros canons. J'ai fait rewind. Ah. Ah. Ça, de nos jours, le monde, ça, c'est plus ou moins c'est quoi ça? Rewind? J'aime bien les stuns. Ils font plus rien. Ils sont à moitié crevés. Voilà. Où sont les autres? Ah, hors de ma portée. Je sais pas c'est où l'autre là. Le dernier là. Yami... Yamine? Yamine, je sais pas quoi. Ah! Faut ouvrir des caissons. Faut ouvrir des caissons? Ouais, c'est de la daily. Ah, ok. J'arrive. Ça va? On est bien. Mais il est où l'autre? Je sais pas, il est trop de son banc. Voilà. Là, il était à ma portée. Je sais pas, il était où dans la map, mais il était à ma portée. Après. La portée de mon nœud est quand même très grande. J'ai mis la portée quand même c'est pas au maximum. Je sais pas si je suis au maximum, mais. Voilà. Full life. Je sais pas, il est où. Ah, il est de l'autre côté de la porte. D'accord. Ah oui, t'as pas vu mon chien en fait. J'ai un chien infecté. Je sais pas ce qu'il vaut en fait. À date, il crève pas. Il fait des trucs bizarres. Par contre, j'ai pas pu lui donner de nom. J'étais un peu sad. J'ai pas pu donner de nom à mon chien, en tout cas ils m'ont pas donné l'opportunité de le faire, fait que je sais pas si c'est normal ou c'est juste parce que j'ai bugué pis... Mais je veux dire, si ça serait le cas, j'aurais été capable de le renommer aussi Ouais. Ah ben tu vois, ce que t'as réanimé, c'est mon chien, ça. Ah mais il est mort, ouais. Mais en fait il est au-dessus de ma tête! Ah c'est ça le truc du revive qu'il disait! Ah c'est... oui! Je pensais que c'était sur le chat, genre le Cuva, non c'était sur le Panzer c'est qui est un autre tank, mais le Panzer c'est celui que justement il vient en seed au-dessus de ma tête. Parce qu'il est immortel un peu, c'est... Fait qu'il meurt mais il revient. Mais c'est ça, il est en seed au-dessus de ma tête. Est-ce qu'il est revenu? Ah oui, il est revenu! Ah ben c'est drôle ça! Ah, c'est le fun ça, un chat qui meurt pas. Un chat. C'est pas un chat, c'est un chien, mais il est juste plus petit. Je sais même pas si on peut vraiment qualifier ça de chien. C'est trop mutant en fait. Je peux pas qualifier ça comme. C'est un Panzer, c'est un tank. C'est cool. C'est un chien tank. C'est un chien qui fait sur les mousses. Yeah. Yeah, puis en plus avec les moyens du bord, donc c'est pas. Mais ça change. Okay. Ça change absolument. C'est un chien cheap en plus. Non, mais ça change absolument. Non mais ça change absolument rien parce que je regardais tout ce que tu mets dans le fond dessus pour le fabriquer, ça change pas sa vie, ça change pas sa défense, non. Ça change pas son shield, ça change rien de tout ça. Donc je suis dans du rap là. Apparemment je me prends des dégâts. Apparemment les ondes de grisade que j'avais vues, c'était de la radiation. Ah oui, il y a de la rade, oui, c'est vrai. Et voilà. Ben, à chaque fois qu'il meurt, ben, il revient sur mon épaule. Il vole comme une sentinelle, en fait. Ah moi, je sais pas, mais j'ai pas utilisé un seul. Je fais juste mettre des tourettes. Des quoi? Je fais juste mettre des tourettes. Éliminer un ennemi Eximus. Ah d'accord, je le fais pas depuis le début, c'est ça? T'es en train de me dire que. Je ne fais pas mon travail. Ah oui. Non, c'est moi qui fais les vols. Ça doit être ça. Ah mais vous êtes tous dans l'autre salle, mais en fait il y a full de monde dans la mienne vu que je bougeais pas, pas beaucoup. Ah mais moi je t'avais tué la flopée qu'il y avait à l'autre bord. J'en revenais.
J'en ai tué pas mal. En fait, je vais en tuer, c'est relatif, là, c'est... Mais en tout cas, sa zone à Oberon, elle est huge. C'est bien de se tenir dedans, ça donne plus de dégâts. Si je me trompe pas... C'est mon stone. Et ça là, tombe. C'est un alpha? Non, c'est pas alpha. J'arrive pas à lire le nom du panzer. C'est Vol, je sais pas. Volta. C'est un Vulpafail. J'ai plus de mana. Non! Yeah. Where are you? Oh, you're there. On n'a pas de monstre! Ah! Oui, il y en a un là-bas. Tiens, c'est Eximu. Voilà. Il y en a de la mana? Il y en a de la mana. Ouais. Mana. La mana. Je donne moins de mana qu'avant. Il doit avoir nerfé le gain de mana parce que. Ouais, peut-être. Oh, ça va, le chien il tue bien. Il tue bien. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes dedans parce qu'il n'est pas vraiment évolué encore. Ça va bien. Ça va venir un jour. Ça va venir, ça va venir. Je me suis pris le mur. Mais c'est drôle, le chien il monte sur les murs. Ben, je dis le chien, mais il monte sur les murs. Ah oui, ah, bou, qu'est-ce qu'on s'est pris? Oh, on s'en est pris plein la gueule, c'était bien ça. Je sais pas trop ce qui est arrivé, en fait, je me suis pris un shot de mongol. Ouais, j'ai dormi du chien. Yay! Et tu l'as mis où? C'est là. T'es déjà shieldé. Regarde ton shield. Plus 320, c'est ce que je vois. Bon, partons. Ah, faut partir? Ouais. D'accord. Ah, c'est en haut. Ah, c'est ça, je me prenais des dégâts de rad. Peut-être que c'est ça qui me tue. Oui, y'a là. Ah oui, y'a vraiment de la radiation partout en fait. Chouk. Y'a vraiment. T'entends en plus avec. Comme de la grosse frappe dégueulasse. Ça fait pas de dommage, c'est oui. Normal. Ça fait du dégât, hein. Moi ça. Ouais, ça descend tranquillement, mon chien. Ouais, mais y'a des ondes, fait que c'était pas tout le temps dedans non plus. Je comprends pourquoi tu disais genre c'est gris vert. Ouais. C'est genre. Bonjour madame. Bon, est-ce que j'ai été efficace dans le groupe? Ah, oh, tu regardes ça toi. Hein? Stat! Ouh, monsieur! Mais, ah oui, mais ça te destroye ton affaire. Mais check. Melee, skill 39. Avec toutes les autres, c'est mété. C'est ridicule! Amélioration reçue 18, t'en as eu 30. Et puis y en a eu 35. Là, c'est bon. Les améliorations, c'est les bêtes. Y'en a deux qui ont décidé de quitter gros. Ils sont fâchés. Ah, parce que t'étais trop fort. Non, ça m'étonnerait. Pas si fort que ça. Et quand on voit qu'on arrive des fois dans des maps parce qu'il y a genre des gens qui tuent genre 600 cucks adversaires ou 900, ah. Là, t'es comme ah! J'ai été vachement utile avec mes 300 quelque chose. Ça arrive.
Ah tu peux oui. mettre les points sur les i Comme assez quand on souvent. faisait la reine, là, où c'est que le gars, il avait fait 23 kills, genre une shot, là, Oui! quasiment, genre... On est rentré. On est sorti. Ah oui, c'est déjà fini. Le mec, il avait déjà tout détruit, quoi. Ah, ça, c'est une capture. Ah oui, Non, j'ai... c'est une extermination. Ah, c'est une extermination. Vous êtes désignés pour être exterminés, messieurs. Putain, c'est... Rien de personnel. J'ai tout perdu. Hein? Ça non, va. Mais... Oh tiens, je vais aller ouvrir le truc. Mais voilà, j'ai ouvert les portes. C'est genre les Eximus qui sont en train de fighter les autres. Putain, je mets ma tourette, il y a un truc qui s'est élevé droit devant. Le muret. Là, si tu t'éloignes, le muret il descend, donc c'est pas grave. Oh, la petite musique de la relaxation alors qu'on est en train de tuer tout le monde, genre. Je me demandais qu'est-ce qui tuait, il y a une petite abeille, c'est pour ça. Ah, c'est pas... Tu disais que... Ah oui, il y a ouvert des caisses, on va ouvrir des caisses. Voilà. Mon dieu, on achève déjà. Ça tombait pas de ça. Ah oui, c'est rapide. Avec ton pouvoir qui est de la même couleur que le mien, des fois je suis comme, mais c'est pas moi qui fais ça. Les beams, c'est pas moi. Les beams, c'est Guigui. Guigui et beam. Ouais, ils sont tellement durs les sorties, on n'en peut plus. Ah, j'ai accroché une trappe. Désolé, j'ai activé tous les pièges derrière moi. Ah ouais! Je viens de passer une trappe. Désolé, c'était ma faute. C'est moi qui ai fait ça. Mais de la... Voilà, ah, mon chien. Oui. Oups, je pensais tout de suite. Mais du coup, ça fait un chien qui meurt jamais, mais Hey, on l'a pas fini, pis ça dit que... Ah non, c'est... Ah, on a des missions d'extermination à faire aussi. Ah. Ouais, ça fait un chien qui meurt jamais, fait que c'est le fun. T'sais, t'as pas besoin de le revive tout le temps. Ouais, c'est ça, il peut mourir en paix. Tout va bien. Bah, en fait, le seul truc que je trouve dole, c'est que ça arrête pas de t'afficher le message comme de quoi qu'il est mort. Hein? Puis après, il fait « Il a été réanimé. Il est mort. Il a été réanimé. » Tu fais « Ok. » Il est parti. Oh lol. Le monde veut pas jouer avec nous. Je tasse avec les... flèches. Ouhou! J'avais le menu ouvert, je pouvais tasser avec les flèches et me promener partout dans le menu. Je m'attendais pas à ça. C'est bien beau, c'est bien. Ça va, j'ai la clé. On va par là. Ok. Je suis. Pas bien. Pic 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 pic. Pic pic. Pic. Oh putain, les trappes. Je sais pas par quelle chance que j'ai réussi, mais je suis passé comme si dans du bar. Les vite se débarrasser. Boum, pic pic. Ah,
Et on a le droit de la musique. Par contre, les Eximus. Les grignères Eximus, là, les grandes dadames, là. Ouais. Putain, y'a pas, il dit, bon, tiens, je vais la tuer comme ça. Ça va aller plus vite. Voilà. Voilà, voilà. Mais tu peux toujours utiliser tes trucs, toi. Tu peux utiliser tes tourelles, moi, donc. Moi, je fais tout à des tourelles. Voilà! On est invisible maintenant. Ah oui, c'est vrai. Putain, ça donne... En fait, avec cette visée qu'on pourrait faire le Nyan Cut. Je sais même plus c'est quoi en plus. Je me rappelle plus de la chanson. Mais c'est bien que je m'en rappelle plus. Ouais, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis bien content. Par contre, il est complexe son truc pour se transformer. Mais pour devenir invisible. LOL! Et tu venais con. Ray a le tagué les murs. Wouhou! Oui! Voilà. Choui, 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 choui. Elle se promène trop, je suis pas capable de la suivre pour rentrer. Oui. Still working on it. Tiens. Oups. Petit boost. Faut que j'aille là-bas, sinon je me mange une de ces claques. Je sais plus combien de pourcents que je redirige des gars que je reçois quand que... Laser! Quand j'ai mis laser. Que je mange pas tout le dégât en fait. J'ai essayé de mon chien pareil. Ah oui, j'avais oublié que c'était... T'as oublié quoi? Que j'avais mon pouvoir activé. Fait que je suis revenu full en arrière. Mais c'est genre, tu peux-tu l'activer puis le désactiver comme tu veux? Je pense que oui. Sans avoir à revenir en arrière, maintenant? Ouais, mais sans revenir en arrière, j'ai réussi à le faire, j'ai juste pas trop compris. C'est peut-être en maintenant ton bouton, il y a des skills qui sont comme ça. Ouais, je pense qu'il faut que je la respam, genre. Ah, j'ai pas réussi à la copier. Les lasers. Ça fait bizarre, j'ai joué à Guild Wars toute la journée, puis là j'arrive dans Warframe. Je suis mêlée dans mes touches. Là. Par contre, le pic-pic, il est extrêmement bon pour défaire le corpus. Hein. Mon pic-pic. Et mon petit dard. Vois-tu? C'est juste parce que je l'ai monté électrique en fait. Fait que ça pète leur shield. Il brise pas l'armure super bien, mais il est bon pour briser le shield. Boum! 8! Ah, ben c'était juste à côté. Moi aussi je tag. Oh putain, je lui drape dans le milieu du front. Ouais. Oh yes, une sculpture. Une sculpture? Oui! Fait qu'on va pouvoir revendre en endo. Tasse ton tag! Dégage! Yeah. Je
Moi aussi, je veux son tag direct à mon T'as vraiment fait exprès en mode genre. Protéa love. Mais je veux voir tes stats. Ah oui, t'assèches tout le monde! Oui, quand j'ai dit manu à profusion comme tu m'en donnes, je fais juste des tourettes et c'est juste ridicule. Non, mais Trinity, c'est le perso à comboter avec un perso qui a besoin d'utiliser ses pouvoirs non-stop. Ouais. Ces tourettes sont fortes pareil, là. La prothèse, c'est intense. C'est intense, monsieur! Je sais pas, qu'est-ce qu'on fout? Et on faisait Je vais quoi regarder ce que t'as. d'assassinat? Puis après ça, Faire un tour Fortuna, c'est ça que t'as dit? Fortuna? C'est ça que t'as dit? Assassinat. Ah, assassinat, j'avais compris, on va faire un tour sur Fortuna. J'ai comme, ah oui! Sais, on peut D'accord. faire celle-là, là. Ah oui, ça! Ah oui! Oui, tu me laisses. Je veux juste changer le pic-pic pour aller rechercher ma canne Oh. à bonbons parce que je voulais. mon Eater Reaper. Ça sent tellement pas dangereux, comme genre, moi j'attaque avec une caméra. En fait, Guigui, t'as triché dans la dernière mission. Il avait dit que c'était juste melee only. Ah! Mais qui sort des grosses tourelles. Boum, 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 boum. Ouais, c'était vrai ça, effectivement. Ah, mais faut qu'on te ferme le petit pitou robot qui se multiplie en plein. Ouais, faut que je fasse les quests Oh, mais on avant. s'en fout, je veux les faire avec toi, moi aussi je le veux, il a l'air trop cool. Ouais, mais je veux dire, faut que je fasse la quest pour pouvoir unlocker les sœurs. Ah oui, c'est vrai, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse nos quêtes chacun de notre bord parce que c'est tous des trucs solo, Ouais. malheureusement. Ouais, des quests, c'est. Ok, ben demain je fermerai, je fermerai mes crèches. Je vais fermer mes quests. Ok, d'accord, c'est par en bas ici. Aou, aou! Va voir ce que moi je vais te faire à ta petite face, ta mère te reconnaîtra même plus. Oh. Ah oui! Bip! Ah, ça me fait. Est-ce que j'ai failli mourir? Ben mourir. Non, j'ai juste failli me foutre dans un trou en fait. J'arrive. Si j'aurais whiz, j'aurais passé sans même m'avoir fait vue. M'avoir fait vue, oui, ça se dit très bien comme ça. Je sais parler, ok? Vas-y. Denis n'avance. Voilà. Ah, faut que j'attende. Oh. Ouais. Hein. J'étais C'était comme. fort pour arriver avant moi. J'étais comme contente. J'étais comme, oui, je suis en avant. Non. Mais faut attendre. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ok. Bon. Hey, j'ai un gun qui va être utile, là, au moins. Ah oui, j'en ai mon aussi, ça va. Ah! Oh putain, il faut tirer avant, genre. Est-ce qu'ils vont nous en donner moins parce qu'on est que deux? J'espère. En tout cas, c'est moins chiant pour moi, là. Au moins, j'ai un gun que je peux tirer, je peux atteindre la cible. Ah, bonjour, madame. Wow! J'ai pas de mana, par contre. Attends, viens, voilà. Elle a fait des boules, normalement. Ouch. Elle est où? Elle est en haut. Elle se promène. Je regarderai tantôt si je suis capable de la focus. Ah Pas ou? juste. Ah ou?
Elle bouge. Ouais. Non, mais là, j'ai compris un peu comment ça marche. Un peu. Je vais changer de plateforme. Ah ouais, non, on en a autant à faire, c'est juste que... Merde. Mais j'étais pas dessus! Ah! Ça rend fou! Vite, 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 pousse-toi! Ah, mais je suis une nouille, en fait! Une nouille? D'accord. Mais... Faut rester dessus, on a une obligation. Oh, oh merde. Moi j'en ai une. On les a toutes eues. Ouais, t'es sûr? Ouais. Ah oui, retenue. En effet. Ah oui, je peux la pogner en fait. Ah, oh, tu peux te filer de mana dessus. Elle est où? Elle est là, là. J'ai poigné le mur. Ah voilà. Madame, veuillez rester sur la plateforme pendant qu'on vous annihile la face. Oh si. 5, 4. Frappe! Oui! Stop fucking making noise! Pas de gueule et tout. Ok, non, c'est en haut. De merde! Ouais, c'était un peu chiant. T'as repoigné de même que j'avais commencé. Ouf! Ah, on est... Ok, on l'attend. Ah ouais, viens-t'en! Elle est où? Elle est où? Ah, elle est là. Elle était même pas partie, on est toutes les deux. Elle est où? Oh, c'est de mana pour mettre tes tourelles en tout cas. Ah, mais je tombe en bas. Ah. De toute façon, c'est... Bah, elle est morte là-bas. Ah! Tiens, ceux-là, ils sont le fun à avoir. Pour vrai, c'est pas des mauvais gars. Ah, cool. C'est un nouveau schéma que t'avais pas, mais moi, j'ai dit ceux-là, puis j'ai encore, en fait. Et j'ai trouvé super le fun à jouer. Oh yeah, on lui a montré en sacrement, elle pis sa race de merde. Pas correct, ça. Mais c'est pas ma faute. Ils font vraiment de ma race de connard en fait. Ouais. J'aurais pu foutre de la merde en me promenant. Ça, c'est genre, quelle race de l'humanité se dit? Oui, en fait, on va arrêter de mais se repeupler. Non, mais il dit, on va arrêter de se reproduire. On va juste faire des clones de nous-mêmes. Jusqu'à ce que notre ADN soit tellement de la crap. Oh, tiens, un châssis. Je sais pas si t'avais le châssis, on avait le nerf optique pour toi. Jusqu'à temps que notre ADN soit tellement de la crap qu'on a l'air juste. Comme Quasimodo. Fait qu'ils sont hyper mutants, pis pas en santé, pis ils vivent pas très longtemps, fait qu'ils font juste se cloner non-stop. Ils vont finir par s'éteindre. Je sais même pas pourquoi qu'on se bat contre.
Repeat. Repeat. I repeat. Mais ça revient dedans. Mais non. Pas comme ça. C'est quand même la moins pire, c'est pas une clone, elle. C'est ça qui est spécial. Oui, oui, c'en est une. C'est une grenière et... Ouais, mais je veux dire, c'est la seule grenière de même qu'on voit. Ben, j'ai l'impression qu'il y a de la même... ouais. Même gabarit que les autres, tu sais, ceux qui... tu sais, les grandes madames, là, qui te... qui te mitraillent la face. Ouais, hein. Ouais. J'avoue. Après, hein, remodelage génétique, je sais pas jusque où. Attends, il y a un nom pour ça, merde. C'est pas de l'épissage, il y a vraiment un nom, c'est le nom d'un monsieur en plus. De quoi ça, pour faire quoi ça? La génétique, tu sais, les trucs de génétique permet, mettons, de rajouter une séquence à, ta gêne, à tes gènes, comme, mettons, le fait que tu sois pas capable de voir, ou qui pourrait te ramener la vue, parce que c'est quelque chose qui existe, hein, c'est... Ah merde, comment ça s'appelle? Pourquoi mon chum est pas là? Lui, il s'en rappelle. C'est lui ma mémoire. Attends, je me fais attaquer. Voilà. Et donc ben loin. Yeah. Ah, c'est pas super, c'est chatine. Qu'est-ce que j'ai après moi? J'avais un gros bubon dégueulasse après moi. Je vois pas ce que je fais. Je tire dans le tas avec le fusil à pépin. Moi je suis surpris que quand tu tires, toi ça fait pas un truc qui épingle les quatre automatiques dans le fond. Ben en fait j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé quand je viens de tirer. Parce que en fait, c'est que quand je suis en train de tirer, les gens vont pouvoir te le dire, en fait je vois rien. Je vois absolument rien. Si je suis en train de zoomer, je vois rien. Faut pas que je suis en train de zoomer. Ça, c'est à cause de mes bordels de. À cause de mes ailes. Bon, elle est déjà partie. Ouais, elle est partie se cacher. Aouh! Aouh! Bon, c'est pas Spartacus ici. Ton aouh, là, il fait très très vite. Bien là. Aouh. Aouh. Ah ouais. Non. Non. Il est pas violent. Il est tout mimi. Je suis en train de virer gogo. Merde. Ah, la ah bobo. En fait, je suis surpris, je vais essayer. Ça n'a pas marché. Yeah. Mais je voulais essayer, voir si ça marchait avec mon sprout. Le spread. Ouais, mon sprout. Ah, c'est celle-là. Par contre, il y a plein d'or, genre partout. Partout sur l'anneau. J'en ai mis partout, Guy. Ben, tu as un peu échappé. Mis partout. Je peux s'échapper. Ah! Même si elle se met sur les tourettes. Ah! M'arrête de sauter, t'es pas Spider-Man, non? Ça suffit. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est partie sur cachet encore. Oh là là. Non! Ça suffit, ça suffit, madame. Donnez-nous les anneaux. Voilà. Ah. Ah, non, oh, d'accord. Pas les anneaux. Ouf. Ouf.
Bon, j'ai manqué ma shot. Putain, c'est la merde. Ah putain, il fait les gars charges. Je suis tiré comme un con, fait que... Aïe. Yeah. Et on l'avait pris. Toi, c'est des petites mitraillettes. Ouais, c'est... j'ai pris le Braston. Comme arme principale, c'est ton Braston, c'est un arme principale, non? Ouais. Ah ok, non, je pensais que t'avais... c'était tes armes secondaires. Non, c'est oh. Ben j'ai pris celle-là pour celle-là là, parce que c'est pour que. Non, il est rendu. Là-bas! D'accord, j'ai le droit, mais pas quand je suis trop loin. Et let's go! Arrête de gueuler comme une princesse Disney, ça suffit! Attends, c'est par là ou... D'après moi, oui. Je... Ouais. Oui, ok, le tube. Putain, une chance que... Une chance que j'ai arrêté. Ah putain! Je l'ai recherché. Oui, c'est ça, moi aussi. Allez, Guigui, allez! J'ai des grosses attaques sur le Reaper Eater qui fait assez... Ah non, mais il nous pousse, il faut le système. Ah, mais j'ai eu une carte que j'ai jamais eue. Ah. De Rift Strike. C'est frappe dimensionnelle? Ouais. Ouais. Ouais, le truc était identifié. Ah, fait que c'est... ouais, c'est cool. Allez, dernière shot, puis là, ça... On allez, on espère, ça. On espère, on espère. Vous avez un message pour vous dire que vos actions auront des conséquences. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ils ont pas compris encore. C'est vrai, ça, on fout la merde dans l'univers. Mais vos actions auront des conséquences. On s'en fout. Genre, ouais, je sais, je sais. Oh merde. Quoi, oh merde? J'ai manqué mon... Ah. Ça a été suicide. Ouais. Ouais, on est un compatriote cette fois. Je pensais que t'allais dire un compétiteur. Non. Ah, deux. Ah, les gens se sont réveillés en fait. Ah, mais il y a des gens qui le font. Oui, oui. Pas de problème. Comme ça, au moins, on aura. Ça va peut-être aller plus vite parce ouais, qu'on va avoir chacun notre... À part s'ils savent pas quoi faire, comme moi hier. Là... Ouais, on prendra pas les nerfs, c'est tout. Tout le monde débute quelque part. Tu veux pas faire un push-talk qui dit... If you don't know what you're doing, do nothing! Oui, c'est ça! Ah, ça me fait toujours rire. Ça me fait très... Genre la personne avait l'air quand même hyper stressée, comme si tout le monde y faisait ça tout le temps. J'étais comme les dudes. Ah, c'est en bas. Mais en même temps, se tromper, c'est pas comme si... Oui. Du coup, c'est laquelle? Ok, c'est la verre. D'accord. Et après moi, il fallait toute la poignée en même temps, parce que... Ah! Madame! Ah merde! Oui! Oui! Désolé, j'ai plus d'armes. J'ai plus de hameaux. Ouais. Non, reviens, salope! Tu peux. Pas une façon de parler à une dame. Je vide mes couilles, j'en ai rien à foutre! Ah, je vide mes bubons! C'est le bubon Nico.
Ah, faut pas arrêter. Bon. Oh. Ah! Putain, les roues, ils tournent fucking vite ou c'est moi? Oh, on a réussi! Si, mais on oui. Va revenir tout de suite. Allez, reviens. Ah, mais ça marche plus! J'ai plus le bonus, madame! Pourquoi je peux plus tirer aussi vite que je tirais? Je comprends pas. Non, je tire normalement, là. Je vais sortir, puis rentrer, bon. Non, clairement, sa cible de speed ne marche plus. Aïe. Ouch. Ah putain, je suis en bas. Voilà. Oh, j'ai l'impression que quand elle part, on dirait qu'elle baille. Elle me donne full envie de bailler. I am your mother, bitch! Allez, viens jouer avec maman. Hein? Ah merde, moi aussi je suis tombée. Il s'est rien passé, ok? Wow. Mais je peux plus tirer aussi vite que tantôt. C'est dommage parce que ça marchait. Puis à un moment donné, ça marchait plus. C'est ça qui nous manquait. Non, le système. Le système qui manque. Ah, ce sera une autre fois. Ouais, ce sera une autre fois. Ça fera une autre fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vos actions auront des conséquences! Ah, ils veulent la refaire! Tu veux la refaire? Bon, on peut la refaire. On va la refaire. Il demande et il fout le camp, quoi. Mais c'est peut-être l'autre qui demande. Ah, finalement, j'ai acheté tous les trucs de l'event de l'Halloween sur Deimos. Oui. Ah, j'aurais ri que c'est le même dude. Genre, oui, t'as voulu nous quitter? Ah, ben voilà, t'es revenu. Ah, on est des cheaters. Ouais, apparemment. Et on disrespecte sa race, mais on en a rien à foutre de sa race. Ben, on a bien fait ça dans les ordres. On a fait le 10, ensuite on a fait le 15, puis ensuite on a fait le 25. Puis ensuite on est allé l'attaquer. On va voir. Ah non, c'est le 25. Ah, tu parles des arènes, j'étais comme voyons, est-ce que tu es en train de me citer une combinaison fatidique de la mort ou je ne sais quoi? Genre ton billet de loterie.
Oui, le 10, c'est du 25. Ouais, c'est ça. 10, le 25. Et avec ensuite, on a fait le 9, avec la barre en dessous. Et le numéro bonus. Le 31. Le complémentaire. Le 31. Mais il y a donc bien des passerelles partout dans ce monde. Genre, je me heurte sur les lampadaires. Je sais pas ce que je pense. I'm coming. Vas-y. Il a pas tiré son truc. Je sais pas. Mais s'il fait pas, ça recommence. Je me suis fait rouler dessus par le. Babylon! Ah, on s'est tous fait prendre. Pas j'étais comme j'étais sûr, j'avais sauvé. Putain, je suis ton vent pas. Ah, ça marche! Oui! Oui! Allô? Bon, ça va, on peut parler? Ah, c'est ça, ouais. Le oui! Je pensais que c'était Guigui, j'étais comme ok. C'était Guigui à la base, c'était pas moi. Ah ouais! C'est bon. C'est bon, on peut parler, on arrête de s'enculer et on joue, parce que j'ai vraiment mal au cul, là. Bah, j'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui étais derrière toi. Donc... si, hier, sur Guild Wars 2, si, je te rassure, ah oui, c'était vrai. Toi. C'est vrai, je te filais le train. Si, t'as tout à fait raison. Ah ouais, tu m'as pété en deux, vraiment, j'ai mal au fiac. Hein. Vraiment, t'es passé par derrière, tu m'as touché la glotte, vraiment, j'ai pas compris. Tu m'as dit, est-ce que tu la sens? Je t'ai dit, eh ouais, ben je la vois aussi. Ben... Donc hier, on a flip table. Alors. Nous allons discuter. Y'a personne qui peut me dire water? Tu veux que je ramène l'étoile, c'est ça? Oui, ramène-moi étoile. C'est trop drôle. Regarde s'il est connecté. Je lui demande l'étoile. On prend rien. Je peux tirer en fou. Non, mais t'as quand même manqué tes cibles. Alors, il me faut le serveur Discord, comme d'habitude. Attends, regarde. Mais tu... T'es dedans, non? Non, mais débilus, une invitation. Oh. Ah, ah, c'est oui, bon, d'accord. Je t'ai envoyé l'invitation, t'inquiète. Ah, là, ça marche. Je sais pas, je suis plus dans sa zone, mais ça marche. Bon, je suis là, venez, invitez-moi, j'ai faim. Attends, on est en train de se finir un boss. Non. Si. Non, non. On est en train de faire le boss pour que Guigui il laisse Sarine. Ouf. Ouais. Non, ça va, il nous reste juste le système à récupérer, c'est bon. Eh ben, tu sais que Samumu, il a une solution pour faire pour le faire de façon ultra simple. Ça s'appelle Vauban. Ouais. Pour en fait, tu fais l'arène. Pour faire l'arène, j'utilise Vauban généralement. Ouais, ça va bien. Ouais, y'a pas de problème. C'est la quatrième, c'est la fois qu'on le fait. Ça va bien jusqu'à ce qu'on m'entende gueuler. Est-ce que je peux toucher ce truc? Oui. Alors, j'ai fait deux. Enfin, j'ai fait une liche aujourd'hui et on m'a passé une autre arme de liche. Je suis très très le content. Ah, mais bravo! J'ai le ton corps que. Alors, ouais, bon, alors par contre, les stats puent la merde. Comme d'habitude. Ah non. Bah, le bonus d'éléments. Le Kraken, le Kuva, j'ai 25,1% de magnétique. Et on a l'autre, du coup, qui est le. Allez où? Le ton corps Kuva. Ton corps? Mon corps? Le corps de qui là? De qui on parle? Laisse-moi ton corps bébé, ton âme bébé. Le ton corps Kuva qui est à 26% en glace. Water. Voilà. Allez. Voici étoile. Pour les gens qui ne le connaissaient pas. On est en stream? Mais oui, je suis en stream. Mais t'as pas la passie comme quoi t'es en stream, ma biche. Mais comment tu vois quoi? La passie. La passie. Normalement t'es en violet sur Discord, t'es pas en normal. Il y a pas. Ah, mais normalement il devrait y avoir. Mais Bah ouais, ça y est pas, t'es vraiment nul alors. Ah là là, des fois ça arrive. Des fois il y a des journées comme ça, on est nul. On nous demande pas notre avis, on est juste nul. Voilà. Oui, bah je te vois. Oui, c'est honteux. Honteux comme tout.
Et là là. Bon, allez, hop, bon, je vous rejoins. Merci. Allez, let's go, boy. Hurler à rejoindre. Hop. Impossible, session complète. Non, je veux rejoindre. Si vous voulez, laissez-moi. Elle sera mais pas t'en là. Peux plus. Il est foufou. Allez, on voudrait kick. On veut non, que vous partez, en fait. Partez, ah. Les gens. Il y en a un qui a compris. Monsieur Étoile. Vive la push tout talk. Monsieur Étoile, êtes-vous une étoile d'eau? Tout à fait. Il fait l'étoile ah, de mer. Ah, tu es une étoile d'eau. Non, une étoile d'eau, pas une étoile de mer. Si tu le mets dans une étoile de mer, il meurt, ce con. Ah. Eh, mais je vais te mettre dans de l'eau de mer, en fait, enculé. Attends, je veux juste voilà. Respect, toi. Tu voilà. Vas mourir comme ça, étoile. Non, il est à rajouter. C'est honteux. Tiens, comment ça, c'est honteux? C'est toi qui es honteux. Espèce d'étoile d'eau, quoi. Table d'eau. Comment ça, table d'eau? Oula, on va se battre, on va se table battre. D'eau. C'est la table de l'autre. C'est l'autre table. Alors, écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien. Comme dirait Étoile, comment ça? Comment ça? C'est ah oui, parce que je le dis, Étoile, que tu dois le faire. Je l'ai maintenant, le panzer, le chien qui résurrecte. Ah, le vulpaf... Oui, non, mais c'est lequel que t'as? Celui avec un nom imprononçable. Vulpafila, ok. Oui. Non, mais lequel? Laquelle de race? Bah, c'est... Bah... En fait, t'as le Vulpafila, c'est le nom de la race, et t'as trois races. Ah d'accord, bah, c'était le premier. Alors attends, je vais te dire les trois races. Hop. Il est pas marqué le nom, et en plus, tu peux même pas changer si, le nom si, de la bête. Si, 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 bien, c'est normal, c'est parce que la bête, tu peux pas la changer, parce qu'il faut déjà que tu l'augmentes une fois niveau 30 et une deuxième fois niveau 30. T'as le Nocturne, le Rusé d'accord. Et le Panzer. C'est le Panzer qui est chiant à voir et très bien. Bah, c'est celui-là. C'est ça, je t'ai dit, j'ai le Panzer. T'as le Panzer. Oui, j'ai le Panzer. T'as le... Montre-moi ça sur ton stream. Mais... Voilà, mon Panzer. Non, mais je veux que t'ailles sur lui et que tu me montres que c'est marqué Vulpafila Panzer. C'est mais un oui, Panzer, ok, Vulpafila. D'accord. Oui, je vois, il a des glottes, voilà. Oui, c'est un Panzer. Vulpafila. En vrai, le dégoût, c'est que... oui. Non, mais non, mais... Il est mais dur dégoût à de avoir, quoi, je dis. Je suis capable de m'en faire trois autres, hein, si je veux. Je vais te calmer, hein. Je peux en faire trois autres. Mais il se balade en meute, donc c'est normal. Mais j'ai, je sais pas, je, non, 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 mais comme ça. Mais attends, je sais pas combien j'en ai capturé de Panzer, j'en ai aucune idée, attends, je vais te dire ça. Ah, je veux juste baisser le son de mon micro, parce que je vois que je le sature, donc filtre. Alors, Vulpafila Panzer, 46. Mais alors, pourquoi tu dis que c'est difficile à avoir, ça va c'est parce que c'est le plus chiant à avoir, parce que déjà, ils se baladent en groupe, et même la façon dont il faut capturer les animaux sur des mots, c'est un peu particulier. Bah, j'ai pas trouvé que c'était plus particulier qu'une autre race. Il faut juste que tu utilises le sifflet. Comme... Pas que. Parce que, en gros, si tu utilises le sifflet, ça va juste te donner les insignes. S'il se fait défoncer par des mobs avant, et ben là, tu peux le capturer. Ah bon, ben moi, j'ai... Non, mais je prends mon gun, j'y tire dans le cul, et puis ben, il est paralysé. Donc je oui, mais il doit se faire bousiller la gueule avant. Ok. Ben, ah, voilà. Moi, c'est pas ce le fameux Panther. Ouais. Le Panther. C'est un tank. D'ailleurs, Étoile, je n'avais plus il y a quelques décennies. Ah, calme-toi. Je pense, Étoile, là où tu pourrais chercher des fautes d'orthographe, ça serait sur les descriptions des Warframes, etc. Ah, j'ai déjà fouiné, enfin, rapidement. En plus, je suis en train de me dire. Faudrait que je vérifie des maths typographiques dans les descriptions des. C'est toi qui comme vérifier. Une histoire. J'ai lancé celle-là de mission. On peut en lancer une autre pour gagner plus de points pour Mahmoud de. Enfin, le boss de Sedna. T'as pas de points? Si, j'en ai des points, mais pas pour faire directement le boss, quoi. Ah, ok. Bon. D'accord. Non, on a récupéré plein l'autre fois. On a formé hier. J'ai pas encore mangé, j'ai faim. Non, mais il y en a une plus haute que ça hein, qu'on a fait. Oui. On a oui. Fait la. Oui, on a fait ben la oui. 80. Plus qu'une fois en plus, et ça a rapporté max mon Il y a des news comme quoi on aurait un nouvel open world l'année prochaine. Ah, that's good. Est-ce que je peux t'envoyer un lien et tu le regardes avec le stream ou pas? Parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, cet open world là. Ouais, ouais. Parce qu'il y a de l'eau, c'est ça? Il n'y a pas que ça, Étoile. Alors il va me falloir de l'énergie en masse rapidement. Ça avec. C'est l'Artwing, puis... Non, mais l'énergie, laisse-moi, j'ai Trinity, donc une fois que j'en ai, je trouve quelqu'un. Ouais, non, mais c'est bon. Bah, attends, faut juste en trouver... Alors, attends, ils sont où, ces couillons? C'est bon. J'en ai un. Voilà. Ok, ils sont pas absorbés, allez.
De la vie, c'est ça? Oui. J'avais pas vu que c'était mon bien. Non, t'inquiète. C'est de l'eau plasmatique, c'est parfait. Alors, ils sont pas pris dedans. Ah, mais c'est avec Nidus. Oh boy. Je prends Nidus. Bon, c'est pas grave, je vous carry. Non, Inaros, voyons. Comment ça, Inaros? Inaros, c'est du sable, mec. Oui. Eh ben, il faut de l'eau, c'est mieux. Hydroïde, de l'eau. Ah, mais arrêtez, mais à ce niveau-là, vous prenez Yareli, c'est du tout de même. Oh non, il y a mon chat qui se ramène. Vite, bonne il va, il va encombrer l'écran, oh, je crois. Je me suis fait éclater. Bon, je ne vois que la partie gauche de mon écran maintenant. Dommage, hein, toi. C'est mon chat, j'y pourrais. Je passe à chez le veto et il se dit je vais monter très souvent sur le bureau et surtout devant l'écran. C'est quoi ton prénom, étoile? De mer. Water. Polo. Parfait. Tabloas ne sait pas tout. J'ai tapé étoile. Mais non. Il dit ça mais il le fait jamais. Évidemment. Au secours, je vais mourir. Oh non, bah non, c'est faux. Allez. C'est qui me tape en fait? Je mange du dégât électrique de ouf. Je sais pas d'où ça arrivait, mais ça faisait bobo. J'ai eu mal au huc. Tout le monde sait que tu kiffes ça. Non, ça. Endo. Ah, y a des bouboules. Non, reviens ici, bouboule. Putain, je suis pas capable de la poignée. Tu vois combien de temps ça dure? C'est combien de points il faut? 25. Oh parfait, attends, les boules, bien sûr. Voilà. Ah parfait, il est parti. On constatera que la seule mort, c'est Hurla, hein. Oui, je me suis fait exploser le cul par derrière, je m'y attendais tellement pas. Aïe. J'étais beaucoup trop concentré à vous donner de la main. Non, mais il y a deux morts maintenant. Gigi, c'est quoi ça? Il s'est passé quelque chose, Gigi est mort. J'ai regardé mon seul. Un peu Gigi, plus, Gigi. Tu désinstalles le jeu maintenant. Ah d'accord, c'est bon. Un peu plus, tu récupérais tout, quoi, Gigi. Il a bu les gens. Oui. Nouveau message. Qu'est-ce que c'est? Snipe Terron Vandal, nickel. Alors attendez, on va aller faire machine là. Hop, mirage. Hop. Surtout vous y aller avec cette arme. On va voir ça. Méro. J'en ai 31 de jugement. Bon, si on l'a pas là, c'est la faute de Guigui. Oh non, Guigui n'est pas ton étoile, tu ne tapes pas sur mon Guigui. Oh, c'est la faute d'étoile. Ah, étoile, Vedaki, caporal. Water. Oh là là, je vais te taper. Oh là là, je vais vous taper. Oh. Oui. Comment ça, vous dites des choses comme ça? Je veux pas m'en empêcher, j'étais élevé avec. Matrixé par ça. La piscine à ma grand-mère, donc. On jouait à Water. Ouais. Super. Moi, quand j'étais petit. Ouais. Ça remonte à très loin. Le mec qui nous sort ça comme s'il y avait des reliques de la guerre du Vietnam dans sa tête. Ah, parfois j'en ai des flashbacks, hein, donc tu sais, ça peut arriver. Oui. Putain, des fois que le trigger il est perdu. Quoi. Non, c'est en fait, il te met le chemin, le. Ouais, le chemin, chemin qu'on devrait suivre, mais en fait, tu t'en fous. Voilà, je vous vois pas dans mon rétroviseur, là. Vous êtes où? On chill au début. C'est bien ce que je me dis. Tu chill au début. Ah, putain.
Oh non, mais faut que ça arrive qu'à moi, ce genre de problème. Oh non, non, mais ils m'ont fait passer par l'ascenseur pour monter. Je voulais rien dire. Où est le quatrième gars? Ok, ça va. Allez, let's go one shot le boss! Est-ce qu'on peut? Alors comme ça, non en fait, non mais en fait t'as des étapes. Ouais, non, mais je me demandais si c'était possible de one shotter un boss. Voilà. Première phase. Si, mais pas elle. T'as plein de boss comme ça que tu peux pas techniquement one shot, mais. Que tu peux passer une étape le plus rapidement possible. On dit dans ta vie. Et les fins en scénarium. C'est ça. C'est ça, mais c'est exactement ça. Par exemple, ma zo, elle fait genre du 1 milliard de dégâts, et pourtant, je peux... Alors... Mourir. Ouais. Ok, ça, j'ai compris. Ok, le gosse, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, si vous voulez un conseil pour ça, c'est prenez l'Ignis. T'es ultra fort pour passer cette étape à la con. Ouais, mais Guigui, il disait que ça marchait pas. Je t'assure que si. Bah, avec Mirage. Ah non, c'est parce que j'avais pas. Moi, le mien a pas assez de range. Oh, il a pas assez de portée, mais pourquoi le mien il est. Ah, oh, bah le mien il est rap. Je sais pas si ça fait vraiment une différence. Parce qu'il y a le Ignis, mais il y a le Lambda en fait. Ouais, celui-là je me promenais, mais je me déprise. Et qui est mort. Ouais. J'étais tranquille dans la pomme. Quoi. Allez, t'es né à qui, toi? Oh yes I do. Oh fuck. Ah bah bravo. Je veux furez, mais tout le monde. Chier, il était juste dessus en plus. J'ai envie de te dire, mais on va la laisser à terre celle-là. Ah, c'est un chat en fait. Ah, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du mien. Question en fait pour le panzer, est-ce qu'il y a différentes grosseurs qu'on peut avoir comme les autres animaux ou... Non. Non, c'est... non, que différentes sous-races. Ah d'accord. Ça aurait été drôle. Alors on demande pas trop à des hein. Ils sont déjà un peu submergés par le Covid. Bah, là tu les tues hein, si tu as envie de faire ça. Ils sont aussi submergés par toutes les idées que les gens leur envoient aussi. Donc oui. Genre tu sais quand tu dis ce jeu ne mourra jamais parce que la commu supporte le jeu. Genre. C'est beau quoi, c'est beau. Oui, c'est très beau. C'est très beau. En plus, je trouve ça spécial que d'autres jeux ne fassent pas la même chose. C'est trop compliqué. Mais non, pas avec le workshop, si... les gens votent et celui qui a le plus de votes, voilà, ça vient ouais, dans le jeu. Ça, c'est très particulier comme système. Ouais, mais. Si tu veux, tu pourrais. En fait, si tu veux, faut comprendre. C'est comme. Je te prends un exemple Overwatch. Blizzard veulent. Si, tu vas comprendre pourquoi.
Blizzard, ils veulent, en gros, depuis un très très long moment, ils veulent inclure la possibilité aux personnes de faire des maps. Ok, de créer des maps custom. Sauf qu'ils ont dit, bah en fait, c'est trop compliqué. Le système pour faire les maps est trop compliqué. Tu vois? Donc peut-être que pour les autres jeux, c'est trop compliqué. Donc ça bloque la chose. Et tu prends Warframe. C'est des personnages prédéfinis que t'as. C'est pas comme par exemple WoW ou même Guild Wars. Hein, où vraiment tu peux modifier l'apparence près de ta Warframe, etc. Tu vois? C'est pas pareil. Ouais, mais ils l'ont fait. J'ai l'impression que quand ils ont parti le jeu de base, il y avait déjà dans l'optique de vouloir faire ça. D'où pourquoi ils ont fait en sorte que ça soit facilement customisable. Dès que tu as un logiciel 3D dans les mains comme Blender, ben, tu es capable de le faire. Quoi. Ouais, mais là, à ce niveau-là, c'est même pas des logiciels comme Blender, tu vois. C'est vraiment des logiciels totalement custom de A à Z. Ouais. C'est genre super compliqué. Faire tout ce qui est... Bah, par exemple, toi, tu voulais faire un skin pour Warframe. Ouais, ouais, ouais. Et ben, t'es pas obligé de passer par Blender, par exemple. T'as un logiciel prévu pour ça. Non, mec. Si je veux... Non, il y a un logiciel, le Tenogen, mais le Tenogen, c'est juste pour te montrer comment ça va être importé. Faire sûr que tes maps suivent les pattes comme du monde. C'est tout. Mmh. C'est seulement ça. Mais il faut que tu fasses le mesh de base, tu reprends le mesh de base et tu peux faire certaines améliorations dessus, mais ils te le disent sur la liste, tu peux pas dépasser tant polygones. Donc il faut pas que tu dépasses les 20 000 et quelques polygones qu'ils te disent. Ouais, ça va pour toi, c'est tranquille tout ça. Oui, parce que je vais faire des bomb maps, donc de toute façon c'est du low poly. Ça paraît du high poly, mais en fait le jeu est en low poly, mais il y a des bomb maps de ouf dessus. Donc pourquoi que. Voilà. Ah, on refait ça? Ouais. Ouais, j'ai pas assez de jetons. C'est comme c'est un truc que je fais genre au compte-gouttes. Ouch. Ouais. Je vais chercher l'autre ici. Ah, allez, on va s'installer mais dans après, le milieu. Après, c'est... on va refaire une dernière fois le boss, mais après, je vais laisser... Il y a Namana ici. S'amuser. Moi, je vais aller me coucher. Car demain, je dois faire beaucoup de route pour être joué. Fallait que je m'aille. Allez, ça commence. Bing, 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 bing. On est tous morts. Bon, les gars, vous commencez à me vénérer. Ça marche. Ouais. Moi, j'attendais la mana. Mais elle était là, la mana, en fait. Elle en donnait de la mana. Elle était dans le milieu. Ah, super, une flash. Heureusement que je suis pas épileptique. Ah oui, hein, les flashs intenses. Tu veux savoir qu'est-ce qui arrive quand t'as mais quoi ? Attends, je fais que mourir, ça commence à me vénère. Je suis en train de m'énerver tout seul. Okay. Pardon, tu voulais me dire ? Il est là, il est là. Je sais plus ce que je disais. Quel dommage, non plus. Des bêtises. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais vous êtes tous là-bas. J'arrive. Bah déjà, je cherche quelqu'un. Ah bah d'accord, bah bonjour. Allez, triple kill. Oh yeah, la mana. Ok, y'a quelqu'un qui fait des drones ici. Eh ! Ah, super, Xaku, ça fonctionne pas. Oh mon dieu. Il va falloir que j'aille chercher les cartes que le mec m'avait envoyées sur le... Ouais. Ah oui, c'était trop fort quoi. Parce qu'il y a une rediff, il y a un passage que j'ai un dialogue que j'ai vu que je n'avais pas aperçu quand j'ai vérifié ça. Et encore les boss je les ai vraiment vérifiés, mais c'est au tout début, c'est les premiers trucs que j'ai vérifiés au cours de l'année dernière. Un dialogue que mon saoulé hein. Non, la flashbang sur la victoire. Je fais tous les kills. pas tout. Il y en a certes que c'est pas toi. Oui, mais je fais 95% des kills, mon coco. Oui, Donc, techniquement et mathématiquement, tu parles à quelqu'un qui s'y connaît plus en chiffres que toi. Fais attention, Tébé. Et moi ? Lui, il s'y connaît plus ? Moi, oh, oui, je sais pas. Il s'y connaît, oui, il s'y connaît. Guigui s'y connaît plus ? Ah oh, oui, Guigui s'y connaît en chiffres. Tu peux pas tester. Ah si, je veux quand même tester.
Guigui fait son non mais arrête, je fais ça toute la journée, ça suffit. Allez Guigui. Non, 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 non. Là tu vas faire de la mathématique. Moi de la mathématique. Sors-moi pas des trucs genre ok, quelle est la racine carrée de telle affaire, oublie ça là. Moi c'est des plus, des moins, des divisibles, des multipliés max. D'habitude j'ai une calculatrice. Et des pourcentages. Ouais, il y a des pourcentages, effectivement. Beaucoup de pourcentages. Et de l'eau. Et de l'eau. Je vais... Oh, alors, vous deux. On va se battre. Hein. Mais non. Mais si. Tu vas rien me faire, voyons. Mais c'est normal, je t'aime trop, salope grosse folle. Tout à fait. Dis pas le contraire, étoile. Allez, c'est ma dernière. Bye. Oh non. Et tu vas voir qu'on va l'avoir. Et c'est quand que tu as Vauban, Guigui? Dans une heure. Dans une heure? Et tu veux partir maintenant? Bah ouais, mais demain matin... Ah non, 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 non. Ah non, je reste non. Non, je passe. Ah si, si. Ah si, si, si. Non, non, je passe. Guigui. Non. Reste ici. Ah, Guigui, Guigui. Non. Dans une heure. Ah ouais, c'est ça. Dans une heure, après... Mais tout le monde sait que tu dormiras pas dans une heure. Non, non, je dormirai pas, mais... Il faut se préparer à dodo si on veut dodo, genre. Non, mais... Sûr, là, tu t'en vas après? Ça dépend, il est quelle heure, il est quelle heure, non? Il est quasiment 10 heures. Ouais. Ok, mais je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Allez, viens, on va sur Guild Wars pendant 8 heures. Pendant 8 heures? Oui, on va faire comme hier. J'avais le crâne en feu hier, j'en pouvais plus. Pourquoi t'as continué, genre, quand t'as dit la je sais fois, pas. Je vais m'arrêter là? Et j'ai fait, bon, mais c'est parfait, moi je vais aller me pioter et tout. Mais là, elle fait, non, mais je vais continuer finalement. Allez, je suis fou. Bah oui, j'étais là. Oui, t'es fou. T'es rendu quoi, level 50? Non, non. Quoi? Oh, ah, oula, okay, pourquoi? Dans Guild Wars. J'ai pas assez de range, what the f... Bon, alors. T'as assez de range avec quoi? Vignis. Mais voyons, t'es impossible, mec. Je prends l'église depuis tout à l'heure, mais je t'emmerde. Vas-y, je prends l'église depuis le début. Water. Oula, étoile. Oula. Comment ça, oula? Ah, il y a une autre Pratea? Ouais, c'est moi. Ah. C'est une fonce. C'est une fonce. Ouais, mais je me suis dit, ça, c'est pas moi qui ai fait ces gros trucs-là. Ok mec. Zenek, il est où Zenek? À terre, il est debout là. Et puis, mais pourquoi vous êtes, pourquoi tout le monde est mort? Pourquoi tout le monde est mort? Parce qu'ils sont mauvais. Pourquoi? Voilà. Ah putain, j'ai oublié cette étape, mon dieu. Non mais voilà, là avec l'ignis c'est passé d'un coup en fait. Mais oui, c'est ce que je te dis, si tu tires dessus ça fait tout d'un coup. Ah. Alors, il est pas bien de vu le Pafila, il se reste tout seul. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, il meurt, puis instantanément, il est marqué genre oui, il est revivu. Dans certains ça. Cas mais extrêmement rares, il peut mourir complet. Mais c'est genre, mec, c'est tellement con. C'est tellement con parce qu'en fait, vu qu'il ne meurt pas, hein, mais t'en reçois toujours le message comme de quoi qu'il est mort et qu'il revient. Arrêtez de me déranger, le truc ne peut pas mourir. Pourquoi j'ai juste fait zéro dégâts? Ah ok, parce que d'accord, il est arrivé sur la fin de son... Oui. Ah non, t'as très rapidement d'ailleurs. Oui. Je crois que je vais les noter de réfléchir les trucs que j'ai trouvés. Il faut juste que je retrouve leur dialogue originaux. Ah oui, c'est vrai, il y a les raquettes. Le truc de le combat de Kelet, mais je comprends pas avoir fait depuis l'année dernière et lors des vérifications. Mais de quoi tu parles, étoile? Ah, ils corrigent les textes dans Warframe. Ah, vous corrigez. Ouais, et toi, il corrige les fautes dans Warframe. Ah, d'accord. Eh ben, c'est bien. Puis Kev reçoit des fichiers d'une taille extraordinairement élevée. Alors, 2000 lignes, le dernier. En plus, lors d'un raid sur, tout à l'heure sur un autre streamer français, Warframe. Visiblement, il a discuté avec Kev et Kev lui aurait parlé de moi. Parce qu'en fait, il voulait aider, il proposait d'aider pour la une traduction de texte en français. Ok. Erreur et autres.
Évidemment, il me connaissait pas encore. Enfin, j'étais vite fait passer, mais il me connaissait pas encore sur ce sujet-là. Et Kev, qu'est-ce que je faisais? Donc, il souhaite, si je le peux, et s'il y a d'autres choses à faire, donner un coup de main. Il y a eu une fausse joie. Oui, j'ai une fausse joie. J'ai senti le oui. Lui comme il faut. Ah, j'ai eu une nouvelle carte. Tu me diras. Tout est normal. Bon, ah, encore un message. Ah, c'est dans une. Oui, vos actions ont des conséquences. Ok, non, je pensais que vous venez d'entendre celle-là. Les conséquences, c'est qu'on va te péter le fiac. Comment ça, tu vas me péter le fiac? Vous avez vu, mais il est violent avec moi. Oui. Quoi? Comment ça? T'es violent avec moi. Tu veux me péter le fiac, arrête-toi. Mais c'est pas moi. Mais non. Mais si, étoile, tu veux me péter le fiac? Mais non. Ah bon? T'en es sûr? Oui, je vais juste te péter le fiac, c'est tout. Tu veux pas péter mon magnifique fiac? Oh non. Moi, je vous laisse vous amuser. Ça va, tout à toutes. À toutes. Ah ciao, ma biche. Bye. 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 Madame Urla, avez-vous un Rayjack? Oui. Est-ce que tu veux une liche? Et faire une liche avec moi? Oui. T'en es sûr? Oui, je risque de me faire défoncer le cul, mais c'est un oui. Non, pas spécialement. Oui. Alors, on va. Tu peux mettre en privé la session, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Merci, ma biche. On va aller t'invoquer une petite liche. Oh là là. Une cuva, de préférence. Bah, je te laisse, vas-y, c'est fait. Ouais. Alors, les liches cuva, si tu veux les faire spawn, c'est sur Saturne, sur Cassidy. Cassidy? Cassini. Cassini. C'est comme le pasta. C'est Cassini. Oh là là. Ah, c'est Cassini. Et non, Cassini. Cassini. Alléluia. Non. Oh non. Ah, mais comment ça s'appelle le nom de la mission si je te l'ai donné le titre? Hop. Hop. Glaku, qu'est-ce que c'est fort, Glaku? Concrètement, c'est le Fatum. Ouais, on a juste à attendre que ça spawn. Ah, la vignette, la fameuse vignette du Lotus dont tout le monde parle. Elle a eu. Oh, il faut que je vous fasse Xaku aussi. C'est trop fort, Xaku. Mais je l'ai presque, Xaku. Il me manque un truc. Il faut que je fasse Fortuna. Il faut que je finisse Fortuna. Voilà. C'est tout. Il y a ta liche. Faut pas que je m'approche de ta liche, sinon je la tue. Donc tu y vas, tu la tues toi-même. Ah, d'accord. Mais... Bonjour madame la liche, est-ce que vous aimez licher? Ah ouais d'accord, normal, ton bâtard. Maintenir le truc. Ouais, c'est quoi comme arme qu'il y avait marqué dessus? Aucune idée. Ok, ben tu vas découvrir ça du coup. Découvert. Ah, maintenant je vais me faire traquer par tous les monstres de l'univers, c'est ça? Non, en gros tu vas avoir des missions, en fait tu vas avoir une planète. T'as jamais fait de liche, c'est ça? Non, j'ai jamais fait de liche, jamais. Ok. En gros, tu vas avoir une planète déterminée et dans un ordre déterminé qui va être sur l'emprise d'une liche en particulier. Cette liche-là, en gros, tu vas avoir besoin de mode Requiem. Si t'en as pas, on ira en farmer, c'est pas un souci. Ah, mais c'est ce que Guigui est en train de faire lui aussi, parce qu'il arrêtait pas de se faire hacker, de se faire voler des ressources. Ouais, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Ouais, je savais ce qu'était une liche. Je n'avais juste jamais fait de liche. Ah bah voilà, bah parfait, on va en faire alors. D'ailleurs, ça y est, j'ai réussi à faire l'Axeltra, elle est en train de se craft, je suis content. C'est trop bien l'Axeltra, il te faut l'Axeltra si tu n'as pas l'Axeltra. Ouais, Guigui lui dit oui, c'est exactement ça. Exactement. Excellent. Exactement. Du coup Guigui est parti, mais en fait, il est allé regarder le stream. J'en étais sûr. Guigui, dans une heure, t'as vos bancs, on revient sur Warframe. Merci. Arrête de parler dans la tête. Alors, qui c'est comme liche que tu as? Et quelle arme tu as sur ta liche?
Oh! Iga. Water. Alors tu fais échappe. Alors faut attendre qu'il fasse son speech, etc. parce qu'il est un peu chiant. Mais bon, après tu vas faire. Oh, tais-toi. Tu fais échappe, tu vas tout en bas à droite, à côté des ondes de Nocturne, et tu as ta liche pour voir ce que t'as. Ah, mais c'est ça qui dit exactement ce qu'il faut après ça pour la buter. Ouais. Alors non, ça c'est pas l'ordre, ça c'est un ordre que t'as déjà mis sur tes reliques. Mais t'es sérieuse ? Tire Cuva 50%. Bon, t'as le mauvais élément, mais c'est une très bonne arme là ce que t'as. J'ai le mauvais élément. Il y a aucun élément qui est mauvais. Si. C'est bonus d'arme 50%. D'accord. Et donc en gros, ton arme elle fait déjà du glace en fait. C'est fun. Non, le glace c'est le pire élément du jeu. Ah ouais ? C'est vraiment le pire. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire des missions. Donc maintenant tu peux aller sur ta carte. Mais du coup, tu peux pas faire de la radiation avec à la place ? Non, pas pour le moment. Tu peux pas. Donc il faudrait que tu chopes en gros la même arme, mais dans un autre élément et que tu les fusionnes les deux pour avoir un seul et même élément. Donc radiation, etc. Okay. Et du coup, en gros, si tu veux, tu as une liste sur Internet qui te dit quel Warframe il faut prendre pour avoir tel type d'effet directement sur l'arme. Mais du coup, tu dis que ça, ici, ces trois affaires-là, ça n'a rien à voir avec la séquence pour le tuer. En fait, tu sais pas. La séquence, elle est aléatoire parmi certains modes, Requiem. Et du coup, en gros, on va tuer des ennemis qui vont te donner des indices sur l'ordre en question. Ça va te donner les trois qu'il te faut au bout d'un moment. C'est ces trois-là, mais peut-être pas dans cet ordre-là, c'est ça ? Non, c'est pas forcément ces trois-là. Mais pourquoi ils mettent ça alors ? C'est tout pour me rendre confus. Parce que c'est ceux qui sont équipés sur ton parason. Ah, d'accord. Donc pour le moment, si tu veux, on se casse pas la tête et on fait ta liche. Et une fois qu'on a découvert les trois mots, et ben là, on va... C'est le dernier, par exemple. Et ben là, voilà, on pourra te trouver le mot en question. Donc, le mieux à faire, c'est de faire des missions qui sont courtes. Capture, extermination, sabotage, sauvetage, c'est le mieux à faire. Donc, tu vois, va sur la Terre, et tu vois, la planète, ah ouais, elle est rouge. C'est dégueulasse, quoi. Voilà. Et en gros, calmez-vous. Oui. Et en gros, ben voilà, là, je vais te lancer une mission, donc c'est 55-75, et en gros, tu vas avoir des monstres, des acolytes de liche, enfin je vais pas appeler ça comme ça, mais plus des larbins. Ouais, il faut que en tu gros, qui vont de la spawn. Même façon, c'est ça. Exactement. Et en gros, ça va te donner. En gros, tu vas avoir une jauge qui va se remplir petit à petit, mais tu verras ça. Dans le fond, c'est des larbins, tu les trouves, tu leur tapes sur la gueule, tu dis y'a où ton général ? Y'a où ton général ? Réponds-moi. Là, ben, il te répond en mini. Ouais, j'ai ton chat Twitch à côté parce que. On sait jamais, je préfère avoir. Oui. Oui, vas-y, parce que la dyslexique que je suis, des fois, elle lit, mais du coup, voilà. Elle le lit pas à voix haute. Là, t'as une liche. Ah, un larbin de liche là qui vient de spawn. Ouais. Au moins, ils sont indiqués, c'est cool. Ah oui. C'est considéré comme étant un mob spécial. Yep. Élimination. Ah d'accord. Je pensais qu'il y avait une obligation que ce soit moi qui le fasse, mais. Okay. Non, bébé. Non, en fait, c'est tous les deux comptés. Reviens ici, pédoncule. Et t'as là un certain nombre qui spawn. Normalement, Rollo il serait toujours en train de me bouffer, puis on serait comme ça. Yeah, lâche monsieur. Alors, pour répondre à ta question, mon petit Guigui, en gros, tu as 3 utilisations par mode. Donc, au bout de 3 utilisations, tu perds ton mode. Il devient profané. Et ce que tu peux faire. Ouais, ça spawn petit à petit en fait. Et en gros, ce que tu peux faire, Guigui, quand tu as 4 modes profanés, c'est que tu les prends, tu les transcendes E4. Et ça te crée un nouveau mode Requiem. Oh, je leur explose la gueule, c'est un truc de fou avec Xaku. Ouais, une pancake. Elle a l'air vraiment cool. Elle est cool. Genre, tu voles les armes des ennemis pour tirer avec, c'est jusqu'à 14 armes maximum. Et non, t'es en train de me dire que t'as des bras mutants derrière toi Non. En gros, là, ma Warframe, j'ai plus d'armure sur ma Warframe, si tu regardes. Je suis à poil, littéralement. Ah, mais c'est ça, mais t'as plein d'armes qui te suivent. Ouais. Oui, c'est parce que j'ai volé, si tu veux, les armes des... j'ai volé les armes des ennemis. Enfin, il y en a encore une, de liche. J'ai volé les armes de mes ennemis, et en gros, avec mon ult, je peux bloquer le temps de cooldown
de mon 2. Donc ça fait qu'en gros, j'ai mon j'ai mes armes pendant beaucoup trop longtemps. Oui, assassin. Ouais, tu vois, le murmure requiem en haut, il augmente petit à petit. Uh-huh. Et ben voilà, et c'est compatible toi et moi. C'est pas l'un ou l'autre, c'est toi et moi qui l'augmenterons. Pour les deux, d'accord. Oh, mais c'est cool. Donc voilà, donc let's go faire des liches ensemble. Mais là, t'as eu un excellent pourcentage, mais pas le bon élément, quoi. C'est juste ça qui est dommage. Ah, là, il m'a volé des crédits, il m'a volé des retours. Ah ouais, il va te voler plein de choses. Il va te voler plein de choses. C'est même la dernière fois, par exemple, sur une mission, en sortie, on avait fait la dernière mission, du coup, sur la Terre. C'est là où j'avais ma liche. Il m'a volé le mode Riven. Alors comment te dire que la liche, je l'ai fait en 30 minutes. Après, j'étais ultra vénère. Je l'ai attrapé, je l'ai escalté, la liche. J'avoue que quand t'es en train de farmer quelque chose, puis que tu n'en accroches une au passage, t'es comme... Ah oui, non mais j'ai pété un câble. Hein. J'ai vraiment pété un câble sur le coup. Hop, on va faire de l'exter. Mais voilà, et après, ta liche, elle peut spawner de temps en temps. Alors, le mieux à faire, c'est de déjà équiper sur ton parazon des mods. Ouais. Bon, toi, c'est déjà fait, moi aussi. Et comme ça, tu testes un peu, tu vois. Donc, si tu te dis, bah, celui-là, c'est pas le premier, hop, tu vas le changer, tu vas mettre un autre, etc. Et quand tu ne tues pas ta liche, en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va changer de planète. Que Guigui me l'expliquait, mais j'avoue que si j'avais pas un visuel, j'arrivais pas trop à comprendre. Ouais, c'est un peu compliqué sans visuel. Ah non, ça c'est un plafond. Ça c'est un réel plafond. Je me suis fiché dessus parce que je voyais le truc en haut, j'étais comme bon. Alors ce qui est bien avec Zaku, c'est que c'est la seule Warframe du jeu qui fait des dégâts de néant. Et ça c'est cool. C'est vrai que c'est nouveau, néant. Ouais, c'est le nouveau truc de Warframe. Moi je fais des dégâts d'eau. Oh là là. Pour aller à Water. Water. Follow. Et d'ailleurs, mon petit étoile, es-tu follow à la chaîne de notre cher ami? Non, pas encore. Eh ben, tu sais ce qu'il reste à faire. C'est incroyable ça. Signaler la chaîne, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Donc, tu vois, ça spawn plutôt bien. Alors, après, si tu veux, c'est que les cuvas sont plus longues à faire que les sœurs de Parvos. On t'en fera une aussi, si tu veux, après, comme ça, moi aussi, j'en ferai une. Et parce que, en gros, si tu veux, c'est pas le même mob, en gros, qui va spawn. C'est des molosques qu'ils appellent ça. En gros, le molosse, en deux molosses, tu remplis ta jauge. Ah, d'accord. Contre 12 sbires à peu près. Une douzaine. Yeah. Et voilà, t'as vu comme ça monte rapidement enfin. Ouais, c'est quand même tout petit le truc que tu dis que ça monte en fait. Il est bien caché. Quoi. Ouais. En fait, on entend toujours la petite musique à la con pour te dire qu'ils sont là. C'est poui poui. C'est ça. D'accord. Bonne nuit, Geeky. Ah ben, bonne nuit, mon Geeky. Qu'est-ce que je l'adore, ce mec. Étoile du tigre. Trop sympa, trop sexy, trop canon. V'là le petit cul et tout. Non, c'est faux. Ça, c'est étoile, ça, qui a v'là le petit cul. Étoile, il s'appelle Étoile du tigre. Malheureusement. Oui. Étoile du tigre. Étoile, redonne-toi. Étoile du dragon, en fait, il devrait se mettre tout plein de noms avec des étoiles, quelque chose. Étoile au dos. Étoile au dos. Alors, d'ailleurs, je précise, pour tuer la liche, au final, c'est en raid jack, d'où ma question du raid jack, et tu vas obtenir deux récompenses, c'est un mode requiem qui s'appelle le Houl, donc c'est le code de triche, non, c'est le code de triche. Ouais, en gros, c'est un seul que tu vas pouvoir mettre, mais il va remplacer n'importe quel mode requiem. Donc tu sais forcément que tu dois en trouver deux autres. Fait que là, dans le fond, on tue des liches jusqu'à ce qu'on nous dise où va le truc. Faut qu'on va l'avoir. On va tuer des liches jusqu'à ce que notre liche spawn. D'accord. Et une fois qu'elle a spawn, on va essayer de la buter. Si on trouve le bon. Direct, en first try, le bon ordre, c'est bon, on va en raid jack. Sinon, on attend. Et on continue sur la prochaine planète. Ah,
Ça va jusqu'à 5 planètes, jusqu'à la forteresse Cuva. Mais là, j'ai remarqué que c'était de moins en moins rouge sur la planète. Ça veut dire que j'imagine qu'ils vont en avoir de moins en moins là et qu'ils vont risquer d'en faire. Non. C'est, en gros, ça va se réactualiser de temps en temps en disant hop, tu refais ça. En ce moment, il y a quelqu'un qui a essuyé le crachat. Pourquoi ça m'a indiqué le truc? C'est vraiment pour me faire perdre du temps. Oh non, c'est parce qu'il y a un mode requiem. Ah d'accord. Il lâche des requiem, des reliques. Des reliques de temps en temps, ouais. Elles peuvent être maxées ou non. Ah ouais. Et heureusement, parce que je te jure que les reliques requiem, avant ça se faisait pas, hein. C'était des merdes de toi, tu as refermé aussi les reliques. Maintenant ça va. Je vais s'occuper des liches, je vais m'occuper de l'objectif. D'accord. Oui. C'est vraiment plein de stéphètes hyper cool. Moi, non, mais c'est le fun qu'il ait rajouté ça par exemple parce que tu te dis, bon, mais tu sais, il y a quand même un mode de jeu que peu de gens y jouent comme ça. C'est en mode sneak attack, en mode infiltration totale. Mais ça se fait en fait. Ça se fait pour vrai. Par raison, ça rend la chose encore plus le fun parce que tu te dis, ah oui, je peux vraiment rentrer dans l'endroit. Puis, Et encore, par rapport aux. Comment s'appelle aux armes. Le pourcentage va entre 25 et 60%. Dis-toi que t'as des personnes 25 de bonus en gros. Dis-toi que t'as des personnes dont je connais, par exemple Maktoub, avec qui j'ai joué toute la journée, qui il a tryhard pour avoir les 19 armes Cuva en 60%. Ok. J'ai quand même 50, fait que c'est pas super. En fait. C'est énorme, au contraire. 50 sur 60%, mais c'est juste énorme. Oui! C'est cool! Ah, oh, il y avait un trou ici. Je vais y aller dans le trou. Des petits trous, toujours les petits trous. Faut toujours rentrer dans les trous. J'adore ça, les trous étoiles. Les trous étoiles? Oui. En fait, il y a un bout en tournevis, c'est ça? Tournevis étoile? Oui. Je me fais rire. Je vois ça. On appelle du one shot. En plus, j'arrête pas d'entendre la voix de Sauron dans ma tête. Pourquoi? Oh mon dieu. Fais ça tout le temps. À chaque fois que la jauge elle augmente. Ah oui, je me suis foutu en dessous quoi. Je sais pas comment c'était possible. Mais... Ça va, ils volent pas tant, tu sais, je regarde le taux de ressources qu'ils volent. Ouais, ils volent heureusement. Heureusement. Ouais. Mais ils volent de façon aléatoire, donc ils peuvent te voler des parties prime ou même des modes driven, quoi. Et là, tu pètes des câbles. Là, t'as envie de les attraper, de les incendier. de leur péter le gros fiac. Exactement, et toi, tu m'enlèves les mots de la bouche. Très bien, et toi. Je suis fier de toi. Parfait. Surtout quand ils susurrent comme ça. Ouh là là. On se vole. Water. Polo. Parfait. On va se battre. Exactement. Avec de l'eau. Non, pas des batailles d'eau. Tu sais très bien que je suis allergique aux batailles d'eau. Avec le pistolet à l'eau. Parfait, encore mieux. Comment ça? Pistolet à eau. Pistolet à eau. Mais. Attends, quoi? Je vais faire la balayeuse aussi. C'est bon, hein? J'allais dire un truc sexiste, mais je vais me calmer. Alors, vas-y, Thibaut. Non, ça ira, t'inquiète. Vas-y.
Non, plus tard, ouais, vas-y. Non, mais plus, tu sais, ça peut attendre. Si, comme ça, on pourra te ban après. Vas-y. Super. Oh non, mais j'en fais tout le temps. Tu fais la, balayeuse parce que tu sais... Ouais, c'est bon, c'est plus marrant. Non, mais d'accord. Non, mais voilà, mais fallait pas me forcer, en fait. Ça me fait vraiment mal. Qu'est-ce qu'on va faire de cette tablasse? On va faire flip table. Alors non, tu vas me reposer. Hein. Avec un doigt dans le huc, comme levier. Et... Mais j'apprécie. Voilà. C'est ça, je... Pourquoi pas? Voilà, quand c'est fait, hein, si j'étais pas au courant, mais... Ah oui, mais oui, mais comme ça. Comme ça, moi, ça me va. Hein. Si, même sans le compte de 1, 2, 3, comme ça, tout ça, tu vas être surpris. Ça va être encore mieux. Baissez-vous et toussez, monsieur. Non, non, même allez-y. Pas. Même pas, c'est juste même 3, pas. Même pas de 3, même pas 3, 2, 1, go, c'est genre... hip. Voilà, c'est fait. Surprise. Je veux pas savoir ce que tu fais avec ton partenaire, ok? Si tu fais hip, hop, et hop, dans le péteux. Okay, vous réglez ça entre vous. Ah ouais. Oh là là, oh, j'ai failli vous manquer, monsieur. Il s'est mis à faire la carpette un peu plus. Hop, hop! Tapis! Carpette! Tapis! Ah, c'est moi qui t'attendais. Excusez, c'est que le message Requiem me cachait complètement. Attention, ça va arrêter. Tu vois rien, tu comprends pas ce qui se passe. C'est ta beauté qui m'éblouit. Oh là là. Faut mourir, madame. Mmh. Ah, c'est la madame là qui me pose un coup. Ah, il y avait quelqu'un. Je savais même pas ce qu'on faisait comme mission. Mais tu peux. Quoi? Oui. Donc là, on a failli laisser crever notre... Ok, d'accord. Ça va, je retiens. Ben non. Mais si. Ben non. Ben non. Un peu. Ben non. Même pas un peu. Ben non. De toute façon, je peux la healer. Ah, c'est comme... Tu sais, les escouades, là, faut que t'ailles chercher les gens, puis les amener et tout. Mais en fait, avec... Avec Trinity, c'est trop drôle de faire ça parce que tu fais juste te promener avec eux, tu tapes ton poing à terre, puis ça l'heal en fait. Ben alors. Qu'est-ce... Ah, c'est la tienne. On va commencer à lui bastonner la gueule du coup. T'inquiète, je suis là. Voilà, vas-y, va sur elle et tu fais X. Ah, alors, est-ce que c'est le bon? C'est pas celui-là. Et ben parfait, rendez-vous sur la prochaine planète. Donc je vais pouvoir le changer. Donc c'est pas les petites vagues que ça visait. Attends, il y a une qui vient de spawn. Bonjour, Wario Gozai Washta, vous allez crever. Mon plaisir. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on continue les missions sur Terre avec moi. Comme ça, je pourrais faire spawn Madish. Oui, avec moi. Avec moi. Parce que moi, tant qu'elle ne spawn pas, en fait, elle change pas de planète. Donc... Ça va-tu plus vite si genre on est plusieurs à avoir la... Non. Non, c'est vraiment aléatoire. Mais en gros, si tu veux, t'as des particularités sur les... liches. Par exemple, t'en as une qui est peureuse. Donc ça veut dire qu'elle vient très rarement. Alors quant à ça, t'as vraiment... c'est vraiment pas le fun. C'est liche peureuse. Ouais, c'est une liche peureuse. Et c'est celle qui vient de gratter le dos de temps en temps pour te dire... Monsieur requin, j'existe. Non, mais monsieur, je suis passé, je vous ai volé quelque chose, mais c'est pas grave. Ou sinon, t'en as une qui te dit comme quoi elle a tout le temps fait murmure. Ok, Netra. Riz. Pourquoi il m'a dit murmure, Riz? Ça m'a dit parce ça, que ça veut dire qu'en gros, un de tes trois modes, c'est Riz. Oh. Ah, bah c'est bien, mais il est déjà là. Donc ça peut être le premier, donc je vais changer de classe. Tiens, je vais le mettre au début. Pourquoi pas? On va voir. Mais je pensais que ça l'effaçait, moi. Je pensais que non, quand tu perdais tes petits modes Requiem. Non, c'est vraiment tout à la fin. Ah, d'accord. Ah, t'en fais pas, ils sont pas cons, D.E. Un peu. Mais t'en fais pas. Mais là, faut aller sur Mars. Ben, moi, j'ai pas fini sur Terre. Donc, je te propose qu'on finisse sur Terre. D'accord. Et après, on ira sur Mars. D'accord. Mais alors, la question, c'est est-ce que je la fais spawn de force ou pas? Force, là. Sourcil, les tics. Ouais, alors, c'est un truc que t'as parlé, et je t'assure que c'est vraiment chiant. Parce que si tu... Enfin, c'est un truc que tu loues, toi, sur une niche à chaque fois.
Et si j'en ai besoin de plus, ben, je suis dans la merde. Je suis baisé. Mais alors, ça, par contre, ce qui est bien avec ça, c'est... Ça s'appelle... Attends, je vais te dire ça. J'en ai plus sur moi. Super. Ouais, dans tous les cas, c'était pas possible. Non, 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 c'est que j'en ai plus du tout. J'ai dû en utiliser deux pour la précédente dish. Ce qui est bien, c'est que ça marche pour les sœurs et pour les cuves. Mais moi, le truc avec les sœurs, je l'ai pas fini. Mais j'ai accès à mon Railjack. Oh, bah c'est bon. C'est essentiel. Tes murmures continuent d'augmenter ou pas? Oui, ça continue. Bon, c'est parfait. Donc voilà, donc en plus, on va continuer. Oh, c'est fun. Sous les manas. Je suis une véritable tourelle automatique sur pattes. Non, tu es une table d'eau. Voilà, là, qu'est-ce que je... J'y vais te tuer, toi. Non. Un peu. Tu vas rien faire. Mais finalement, je suis allé fouiner dans... l'assassinat de Kelly de Thème, il y a d'autres trucs... intéressants. J'avais pas eu... les dialogues. Ah voilà, ah. Malish. Alléluia. Des provocations à la Naboku de dialogue. Oh, c'était quoi ça? Alors moi le premier ça passe, donc c'est Oul. Oh wow, wow, pourquoi il reste ce fou? Ok, alors la deuxième. Ok, voilà, c'est bon, elle quitte la planète. Allez, casse-toi. Ah, il a lâché un truc au sol, pas du cuva. Ouais, des cuvas. De la cuve. D'ailleurs, si t'as pas fait de build pour le Basmu, je te conseille vivement d'avoir un build pour ça, pour cette arme. C'est beaucoup trop fort. Le Basmu. Ouais. C'est tu l'as en ce moment dans l'événement de Narberus. Le Basmu. Ouais, mais c'est l'arme que j'ai là. C'est une arme sentient. D'accord. Il dit arme sentient, il dit balai limité déjà, donc. Oui, c'est sympa. Et c'est bien, moi j'aime bien déjà le Bubonico. C'est fort le Bubonico, mais si tu veux, c'est pas. C'est pas God tier, on va dire, tu vois. C'est très bien, mais t'as largement mieux. De toute façon, j'avais pas le choix parce que. De toute façon, où j'en étais rendu, ça valait plus la peine de toute façon que je prenne ça au lieu de prendre le Igni. Puis en plus, ben... Bon, même pas. Ignis, ouais, je t'assure, en fait, l'Ignis... Moi, l'Ignis, ça fait depuis que le jeu... je te dirais pas exactement depuis que le jeu est ouvert, mais je te dirais c'est depuis qu'il y a eu l'événement avec l'Ignis que je joue avec, en sachant que c'est à ce moment-là que j'ai rentré dans le jeu pour la première fois. Donc, mm-hmm. Ça y est, je me bats avec l'Ignis depuis que je joue. Donc, j'étais un peu tannée. Normal. J'étais tannée, donc le bibou, ça me rend heureuse, parce que du coup, je peux faire ce que je veux avec. Oula, le point, il meurt. Ah, pourquoi le point il meurt? Il ne sert à rien, là. Tu t'énerves. Mais je te le dis, mais il y a ses PV en haut à gauche, en dessous de ta carte. Hein? Les PV du point, du payload à protéger. Ah, ce point. D'accord. De toute façon, il regarde. Le payload. Il s'énerve tout seul, mais... il est fini. Non, ah, mais non, mais je suis pas énervé, mais détends-toi. Mais je m'énerve pas. Oh là là, il en reste encore un. Quel oh là, tu vas te... Ouh. Seul. La veine vient de sauter dans le front. Hey, madame, vas-y, donne-moi de l'énergie là, madame. Hey, vas-y. Et s'y va là. Bah, donne-moi de l'énergie là. Oui, j'aurais voulu, mais. T'as sûrement pas de petit mec. Calme-toi. Ah, je fais le mec. Qui a amené la pizza. Madame, voici votre pizza. Non, trop mal. T'as tué le mec qui a amené la pizza, donc le mec qui a amené la ressource, je voulais bien t'en donner de la mana, mais c'est pas un bouton, c'est pas un bouton que... Là, lui, non, pas lui. Là, lui, non plus. Là. Oh là, il y a pas d'ennemis. Ah non.
C'est bon. Non, toujours pas. Bon, tant pis. Alors, madame? Est-ce qu'il y a une explication du gros doigt dans le... Ah, oh, salut, Waha! Waha, t'es pas couché, what the fuck? Si je commence à te dire d'où ça peut venir, il faut que tu regardes une vidéo. Non, mais est-ce que, genre, dans la quête, ça nous est expliqué? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, le céphalon, quand tu essaies de comprendre ce que c'est? Il te dit... essayer de visualiser une couleur qui n'existe pas, voilà ce que c'est. Oui, mais voilà, ça explique peu de choses. Bah oui, mais justement, on sait pas ce que c'est, mais il y a... En gros, on a des hypothèses. C'est it. Essaye de l'imaginer, en fait, tu peux pas. Tu peux pas le voir. C'est ça, mais en fait, c'est parce que tu peux pas... En fait, tu peux pas imaginer, mais tu te rappelles du man in the hall, ou pas? Que tu fais pendant la quête de Haro. Avant d'aller au boulot, mais t'as un boulot de nuit. Et quelle heure en France? Moi qui m'inquiète pour la santé de Waha. Waha, va dodo. Il fait non mais je vais au boulot. Ok. Et merci d'être venu, Waha. Fait toujours plaisir. Oh, il est 4h du mat. Ah ouais, d'accord. Ah mais il est en France le petit. Oui oui, ouais, il est en France. Ouais, français. Ouais. Mais c'est justement Waha qui est le chef de la guilde dans Guild Wars dans laquelle je suis. Ah, excellent. Ouais. Alors, ce que je viens de t'envoyer, je te laisse le regarder avec le stream, comme ça tu vas comprendre ce que c'est. Un super drink de water. Alors, Étoile, je vais te taper. Étoile, je vais vraiment te goumer, Étoile. Mais non. Mais si. Ouais. Et oui, tu peux faire confiance. Je suis pas quelqu'un de méchant. Non, mais je l'aurais vu de toute façon. Dieu, putain, je me suis fait mal. Ouais, il prend tout son temps. Eh oui. Normal, c'est parce que je stream en même temps. Tout à fait normal. C'est ça d'avoir un papy PC. Non, ça va, il est pas si pire. Il est pas si pire. Aussi. Ouais, il est pas si pire. Et en gros, ça serait à la fin qu'il faudrait que tu... Enfin, tu vas regarder tout le truc. C'est un open world qui a été teasé en 2019. Il n'est toujours pas sorti. Et vers la fin, il faudrait à la limite que tu mettes en 0.25 pour voir ce qu'il y a. Parce que c'est incroyable. Attends, je vais lui laisser le temps de... Oui, on a tout notre temps. Sinon, tu peux directement regarder sur Discord. Au pire. Ouais, mais... Il veut pas. Ah, quand tu cliques dessus, il veut pas carrément. Ah, il est slow en estime. Ah, mais là, du coup. Ouais, ton PC est en train de bégayer là. Ouais. Bon, ben, on le regardera plus tard si tu veux. Ça, d'habitude, je charge mes pages d'avance quand j'ai besoin d'aller sur l'alternet en même temps de streamer parce que. Non, mais c'est pas grave. Là, du coup, je peux pas y dire non. Mais si. Gestionnaire de tâche. Fin de tâche. Fini. Ah, attends, il est parti. Ouais, il est parti. Attends. Non, mais c'est le temps, du coup, mais... Alors, en gros, non, mais, je vais t'expliquer. Je veux dire, toi, tu peux... Voilà. Toi, tu oui, peux. Mais t'inquiète. Moi, je fais un peu screen, voilà. Là, ben, les gens peuvent le voir. Ok, ben, on va attendre. C'est ce que... Ouais. Mais il est génial le truc. Ben ça justement tu le vois en Rayjack ce mob là.
Je te dirais de mettre pause, mais pause, quand le mec il enlève le masque, de préférence. D'accord. Je suis une mouche par-dessus ton épaule. Ah ouais. C'est psychédélique, hein. C'est spécial. On dirait un hommage à RG Giger. Ah ouais, tu connais pas Giger, on dirait clairement que c'est lui qui a dessiné l'univers. Donc le pause, il est où? Là, dès que tu vois la tête du perso, tu... Attends, moi j'entends, ok, j'entends background, mais en fait c'est parce qu'il ah oui, c'est vrai, marche on est en background, c'est pour ça qu'en fait j'entendais full fort, c'était pour ça, les deux vidéos sont parties en même temps, donc... super. Le mec qu'on voit, le personnage qu'on voit, c'est un Théno, ok? Ouais, ça j'avais compris. Tu sais à quel point un Théno c'est puissant. Ouais, mais là, il n'y a eu aucune efficacité sur le monde. Oui, mais c'est, ça, c'est, qu'importe. Un Théno ado, donc c'est un enfant qu'on contrôle, il fait déjà le bordel dans l'univers. Oui. Imagine ce que ça serait un Théno adulte. Ah ouais, parce qu'il est adulte, l'autre. Là, il est adulte. D'accord. Il a de la barbe, il a tout ce qu'il faut. Voilà. Et le cavalier que tu vois en fond, c'est une Warframe. Ouais, clairement. Ça, c'est clairement une Warframe. Et en gros, Juvigi Paradox, ça serait en... ça serait l'open world Orokin. Donc la race, justement, des Warframe, des Théno. Enfin, je veux que la Warframe puisse chevaucher un cheval comme Dark Rider, quoi. Ça serait, à ce qu'il paraît, ça serait son ult. On n'a aucune information vis-à-vis de ça. Boum, chakalaka dans ta face. D'accord. Ah ouais, d'accord. Fait qu'en gros, c'est ça, on la voit... Et pas que. Vers la fin, quand tu vas avoir un écran noir, en gros, je te conseille de mettre en ralenti quand tu vas commencer à avoir l'écran noir, parce qu'on voit quelque chose en fond. Voilà, là. À partir de ce... Voilà, t'étais pile au bon moment. Voilà, juste au fond, on voit quelque chose. Tu vois, ce mec-là. Et mais ce mec-là... Meurt, parce qu'on dirait qu'il y a des boobs. Attends, man, tu fais... On voit des boobs. Alors, attends, je crois que je l'ai. Je vais essayer de retrouver la personne qu'on retrouve derrière. Mais en gros, si tu veux, elle a un bras mécanique. Attends, je sais chez qui je vais retrouver le message. Alka... On va mieux là. Attends, j'essaie de retrouver deux secondes. Oh là là, il mais est où? Ça serait un autre Warframe, en fait. Non, non. Le gars que tu vois au fond, on supposerait que ça serait le Man in the Hole. L'homme dans le mur. Pourquoi? Parce qu'en gros, il a un bras mécanique et il lui manque des doigts. Et on pense que pendant l'ère Orokin, quand il y avait les Théno et toute la tata et tout le boxon de l'univers se battaient entre eux, lui, on lui a coupé un bras. Et juste son doigt suffirait à alimenter justement le Ray Jack. Juste son doigt. Donc il serait pas dans le mur, il serait dans le Ray Jack. Non. Son doigt serait dans le Ray Jack. Mais en gros, ça serait une entité qui serait complètement à l'extérieur. Mais alors vraiment complètement à l'extérieur. Et on sait pas ce que c'est. Et ça, on... Enfin, après, avec certaines suppositions, avec mon pote, on a supposé pas mal de choses. On pense que à l'ère... Oh, comment ça s'appelle Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé l'image, je te l'envoie. Je te l'envoie en privé. On pense que pendant la nouvelle guerre, il va avoir une grosse importance. Voilà, c'est le mec qu'on voit. Ah oui. C'est exactement le même. Et t'as vu la taille qu'il fait. Il est clairement immense comparé au truc qu'il y a derrière.
Et tu vois son bras mécanique comparé à son bras normal. Il y a Mais un en gros, bidou voilà. aussi. Il y a un bidou. Donc. Ah non, ou à moins que ça soit son casque sur ses genoux. On sait pas. Bizarre. On ne sait absolument rien dessus. Sauf que c'était un trailer qu'il y avait en 2019. Ah ouais, donc. Ils se sont dit, les gens, patience, patience, on est en train de peaufiner notre histoire pour pas que ça soit n'importe quoi. Mais en même temps, c'est c'est ça. bien. C'est bien parce qu'on s'en, on sait qu'on s'en va pas n'importe où. Bah, dans un gros bordel cosmique et galactique. Mais c'était déjà le bordel à la base. Oui et non. Je vais m'occuper de l'objectif. J'ai remonté. Oh putain, nickel. Des trucs dans les jambes. Ah, oh, je m'accroche partout, c'est génial. Oui, oui. C'est le Seigneur des Anneaux dans mes oreilles. Je te les immobilise, les. Comment s'appelle? Oh, tu veux que je les ramène? Tu veux ouais, jamais ouais, ouais. Ça. Ouais. Comme ça, on fait ça, ça prend pas longtemps. De toute façon, je suis à la traîne derrière, donc. Après. Mais c'est drôle parce que tu sais, aujourd'hui, je pensais que tu sais, je pensais que tu aurais streamé. Tu m'avais écrit, ouais. J'ai streamé, justement. Ben, je pensais que tu m'aurais écrit en mode genre, oui, je suis sur le jeu. Ah, parce que je voulais faire du Warframe aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais, ouais, j'aurais peut-être dû te dire, ah, bah viens, je suis sur Warframe. Ouais, non, mais de toute façon, j'étais sur le jeu, que tu sois là ou pas là, je faisais quelque chose de toute façon. Donc, je veux dire, j'étais pas en train de rien foutre. Je prenais d'autres. Tiens, ou... un truc cascade. Bon, si ça se trouve, je l'ai déjà scanné, lui. Pas longtemps que c'est. Ouais, ce que je me disais, je l'avais déjà scanné. Oh. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est très grave. Une perte de minutes importante dans ma vie. C'est toi la minute. Pardon ? C'est toi la minute. La minute. Oui, tu es une minute. Oh putain mec, demain je te prends une photo, je te jure. Est-ce que t'as vu Je me suis arrêté à je te prends un perso. Putain. Je te prends une photo. De quoi? Je te prends une photo. Non, est-ce que t'as vu la série avec Loki? Non. Ah dommage. Parce que j'aurais dit oui, j'ai trouvé Miss Minute, mais complètement genre de l'autre côté de la rue de chez moi. En fait, c'est vraiment drôle. Je devrais la prendre en photo puis la mettre sur. Sur mon Discord demain, c'est trop drôle. Ouais. Ça fait vraiment la face de Miss Minute dans la série Loki, qui est en fait une série Marvel. Donc Loki est le frère de Thor, mais il y a une série à son nom. Elle est très ouais. très bonne, hein, elle est vraiment très bonne, je la conseille à tout le monde. Puis pour vrai, Miss Minute, bah en fait elle reste juste de l'autre côté de la rue de chez moi. Tu sais moi ce que je te conseille de regarder, mais tu vas pas, je pense pas que tu vas aimer, c'est Evangelion. Évangélion. 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 Pardon. Déjà. Évangélion. Néza. Évangélion. Néza. J'ai tapé toi et toi. Ça se dit Évangélion. Pas Évangélion. C'est qui t'a appris ce genre de choses? D'autres gens qui l'ont écouté. Je vais les taper. Dis-leur que je vais les taper fort. Évangélion. Bon, ça va être la dernière partie. Mesa. Quoi, oh, Mesa? Mesa. Est-ce que tu baragouines, étoile? Je comprends pas. Tu veux que je te donque ta gueule? Table basse le prononce toujours différemment. Mesa et Neja. Neza. Neja. Neza. Mesa. 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 Mesa, Neja. Non, Neja, ça se dit, ça se prononce.
quoi? Mesa. On parle des Warframes. La prononciation des noms de Warframes, c'est Mesa et Neja. Mesa, Mesa. Ah, moi c'est drôle, non. Je disais Neza, puis je disais Mesa. Neja, c'est DE hein, qui a confirmé pour Neza. D'accord. Ça se prononce Neja. Neza. Non! On va se battre, toi. T'es au courant. Tu sais que je vais gagner. Mais péter le fiat. Non, mais rien, tu vas rien faire. Non, mais cauchemar. Voilà. Ah, je lui mets mon parasan dans le fiac à celui-là. Ting ting ting. Quand j'ai plus de mune, ça. Ting 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 ting. Ça sonne hyper métallique. Mais ça. Oui. Ah, il n'y avait plus rien. Ah bah visiblement dans un dialogue de 4 thèmes, ils ont carrément fait sauter une partie de dialogue. C'est une phrase. C'est parti pour la jeter. Il réagit pas quand tu dis autre chose water. Que water. Oh, Nisa. Prime. Cassé. Les dents. Étoile. Polaire. Parfait. On a découvert un deuxième mot. Lock, encore une fois. Super. Moi, il est marqué Kra. J'espère que t'as tous les modes Requiem. Non. Et allez, let's go. Non, mais moi, c'est pas Kra. Ah, il va falloir que je fasse Lock. En fait, je te le dis. Ah. Mais en fait, ah c'est ça, il switch tout le temps, donc tant et aussi longtemps que j'ai pas un truc qui va être marqué locké en vert ou je ne sais quoi. C'est ça. Bon, c'est j'espère bien. Que ça va pas être lock en deuxième parce que je vais me tuer. Ça, c'est quoi Craft, c'était quoi déjà le symbole? Bonne question. C'est une remémorée. Ah, c'est le sablier. Un sablier. Je suis en train de me gratter le bord de la cuisse. Le tout de la cuisse, désolé, ça paraissait bizarre à l'écran, mais oui. Mais tu faites ce que vous voulez. Ah, mais c'est pas que... Je suis en Pidge, mais pour des raisons obscures. Ah non, c'est pas obscur, ça doit être parce que... Bon. Parce que mes culottes sont tombées à côté de la sécheuse en sortant. Donc ils ont ramassé des morceaux de bois, donc j'ai des morceaux de bois dans mes culottes de pigeon. Ah mais tu fais ce que tu veux, si ton délire c'est d'avoir des rondins d'herbe dans la shaft, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Des rondins d'armes. Wow, on se calme. Cela n'est point mon problème. C'est toi, c'est ta vie, c'est ta chatte, c'est ton corps. Je m'en fous. N'est-ce pas, étoile? Water. Polo. Ah là, je vais faire chier que c'est dehors. Non. Mais si. C'est pas si waterproof. Pauvre table basse. Flip, t'es belle. Il flip. Ah ouais, c'est pas ici. Je suis tombée dans une salle à air. What? Pourquoi là? Putain.
préférais quand que je me faisais dire rap dans la nuque que ça. Ouais, mais j'ai même pas pu m'accrocher, je suis sad, non? J'arrive. J'ai des problèmes avec un rebord, on s'est pas entendu, du coup il m'a jeté, il m'a jarté. Dans les bidons, dans les bidons. Fuel cell reinserted. When the reactor is restarted, this will down. Fuel injectors. Oh non, pas les trous noirs! Oh non, pas les trous noirs! Monsieur! Oh non, pas les trous noirs! Oh là là! Tu sais ce que ça fait l'effet de radiation? Ton armure? Non. Tu fonces. L'effet de radiation, ça active le friendly fire. Hein? Ouais. Quand tu t'es irradié, les gens peuvent te tirer sur la gueule. Je peux te tirer sur ta gueule, ouais. Ça veut dire que Gigi pourrait se faire tirer dessus par ses propres tourelles. Ça serait pas bien. Ouais, c'est un exemple, oui. Ça c'est drôle mais quand même, qu'il puisse se faire défoncer par tes propres tourelles qui défoncent tout le monde. Mais elle te prend aussi en cible, hein, et généralement elle t'éclate la gueule, hein, c'est de protéines. Oui, je te crois 100%, ça, y a pas de problème. Ou ta Messa, quand t'as une bonne Messa. Avec Neja, tu peux monter à 18 millions d'armure, 18 ou 16 millions d'armure sur un de tes pouvoirs. Ah oui, Neja. Je jure à l'étoile, ça se dit Neja. Je te promets, ça se dit Neja. Neja. Ne. Neja. Messa et Neja. Je te jure, ça se dit comme ça, étoile. Water. Polo. Pour être waterproof, hein, pour être ici. Tous les deux là, vous me fatiguez énormément. Ah mon dieu, moi je pense que je vais arrêter ça là par contre. Parce que une dernière. Non, parce que je vais me coucher, je vais essayer de me coucher tôt. Parce que ça fait 4 soirs d'affilée que je me couche à 4h le matin. Donc je pense qu'il est temps de quand même faire dodo. Mais non. Reprendre un beat normal, c'est important. Donc, de quoi? Ah oui, c'est important. Donc je m'arrête là pour de vrai. Et tout le monde, je vous dis à la prochaine. Bonsoir étoile. Winter. Bonsoir Flip Table. Docteur Table Basse, ça va, fais ton bonsoir, fais la révérence, tire le tableau de haut, voyons. Voilà. Non, j'étais juste désespéré, c'est tout. Allez, ciao tout le monde. Ciao. À la prochaine.